Bien, on va commencer. Bonsoir. Merci à l'assistance nombreuse et à ce conseil municipal de rentrer. J'ai donc plusieurs choses à vous dire, bien sûr en dehors de l'ordre du jour. Je vais commencer, si vous me permettez, par désigner un secrétaire de séance. Je vous proposerai Charles Leboeuf. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, s'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, tout le monde est pour. Donc Charles Leboeuf est secrétaire de séance. Pour ce conseil municipal, j'ai le pouvoir d'Edwige Castelli pour Dominique Bosmaier, d'Isabelle Schaeffer pour Françoise Vité, de Jean-Yves Da Silva pour Joseph Sachaud, de Valérie Ménard pour Éric Gilbert, de Sylvie Frougier pour Françoise Massé, de Pierrette Saint-Jean pour Jacqueline Tardé et de Corinne Pousset pour Marc Van Campagne. Première chose. Je vais faire circuler plusieurs feuilles de présence. Alors, la première pour le conseil municipal d'aujourd'hui, une feuille de signature d'émargement pour les délibérations du conseil du 26 juin et une signature donc de la décision modificative numéro 2 pour le golfe d'Oléron à la Réunion. Donc, je vais faire passer ça par Jean-Yves, ça part par ici. Comme de tradition, pour le conseil municipal, nous avons eu où nous avons des questions diverses. Alors, il y en a une du groupe donc Ensemble pour Saint-Pierre-d'Oléron concernant la question de la libre pensée. Je l'aborderai après. Et de mon côté, des choses très importantes quand même aussi. Donc, j'ai 7 points que je voudrais aborder en questions diverses concernant l'écomobilité, la foire agricole. La réfaction de la salle polyvalente, les travaux de l'accueil, la rentrée scolaire, le PPRN, ça fait autant d'éléments qui vont nous permettre donc de faire des petits points sur l'actualité de la commune en dehors des délibérations. Je remercie l'arrivée de David Labardin qui peut se mettre avec les autres personnes. C'est vrai qu'on a aujourd'hui le plaisir d'avoir la nouvelle représentante du journal Les Propriétaires qui remplace Karine Vossel, qui nous fait l'amitié d'être à nos côtés. Vous avez donc apporté à votre connaissance plusieurs choses. D'abord, en dehors du journal, donc du magazine du port de la Cotinière, pour ceux qui ne l'avaient pas eu. Et puis, donc ça, c'est plus une action portée par le port. On avait délibéré en ce sens. C'est un document qui plaît beaucoup, qui circule beaucoup et qui est très demandé. Donc, on le distribue un petit peu, je dirais délicatement, mais ça traduit complètement les acteurs du port, l'histoire du port, les différentes filières et tout ce qui a fait la genèse donc de cette histoire incroyable que vit la commune de Saint-Pierre par le biais de son port de pêche. Et après, il y aura certainement d'autres exemplaires plus sur l'avenir et la réalisation de ce projet que nous attendons tous et qui va bientôt commencer. J'ai des décisions aussi du maire que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 7 septembre. Alors, il y en a eu beaucoup en juin, juillet, pas du tout en août, ne vous en inquiétez pas. Et c'est traditionnel, des régies de recettes, des conventions de partenariat, des prises en charge d'obsèques pour deux personnes qui sont décédées dans des conditions très particulières, des contrats d'engagement et des conventions d'honoraires pour des affaires qui datent depuis longtemps en ce qui concerne l'urbanisme et des refus de permis de construire en zone non constructible. Nous avons un ordre du jour que vous avez pu voir et j'en arrive donc au premier point qui concerne donc la démission d'un conseiller municipal et l'installation bien sûr d'un nouveau conseiller municipal pour la liste Ensemble pour Saint-Pierre-d'Oléron. Donc nous avons reçu en date du 29 juillet 2018 la lettre de démission de Patrick Moquet et je vous demanderai bien sûr d'accueillir Dominique Luneau, mais surtout de délibérer pour prendre acte d'une part de sa démission et deuxièmement de prendre acte aussi de l'installation de Dominique Luneau qui vient donc siéger en conseil municipal, ce qui est quand même un retour quand même de temps le noter dans ce conseil municipal. Alors c'est dans la nouvelle forme, on t'a vu dans la nouvelle salle, donc tout a changé,
Mais beaucoup d'entre nous sont toujours là, donc avec plaisir, on t'accueille. Donc vous avez... peut-être que tu peux nous dire un petit mot, je sais pas. Toi, oui, merci. Bon, c'est bien. Ok. Nous avions, il n'y a pas très longtemps, fait la même chose, mais Michel n'était pas venu. Alors, on a aussi, juste en face de toi, mais vous le connaissez bien, Michel Muller, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous ce soir. On en parlera tout à l'heure pour les commissions. Vous comprendrez que le conseil municipal de Saint-Pierre est en train de se mariniser, se potinarder, je ne sais pas comment on doit l'appeler, mais toujours est-il que nos représentants sont en force pour aujourd'hui. Donc, je vais demander de délibérer, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, tout le monde est pour. Et en même temps, j'aimerais souligner plusieurs choses, parce que je regardais le tableau du conseil municipal, alors je vais commencer par dire un bon anniversaire à Catherine Vidot, du 15 septembre, un bon anniversaire à Françoise Vité, du 17 septembre, de Michael Normandin aussi, c'est un festival hein, du 17 septembre. C'est un bon mois, c'est un voilà, bon donc, mois. C'est incroyable. Après, je ne vais pas faire tous les anniversaires, parce que, mesdames et messieurs, s'il y en a un qui est d'aujourd'hui, il faut me le dire, il faut que je prépare la chanson, et je ne sais pas faire. C'est le mois d'août, monsieur le maire. Bon, ouais, moi, je ne parlerai pas de mon anniversaire. Je suis resté bloqué à 30 ans, donc j'ai voulu plus. Ensuite, nous arrivons à la délibération donc, d'approbation du dernier conseil municipal et de son procès-verbal. Est-ce que, si tous ceux qui l'ont lu patiemment... ont des remarques à faire. S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote, ça va aller assez vite. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est pour. On en arrive à la demande d'avis donc, sur la dérogation du repos dominical. Donc, c'est une délibération que nous prenons habituellement. Elle a un petit peu été modifiée dans sa forme depuis le changement de présidence de la République. Et comme on est en zone touristique et que le code de 3132-36 du Code du travail détermine pour les commerces à prédominance alimentaire et pour les heures de travail réalisées au-delà de 13 heures et en particulier pour les dimanches, donc une fixation par le conseil municipal validée par le conseil communautaire pour l'ensemble des communes, il nous faut donc acter pour retenir 12 dimanches qui répond donc dans ce cadre-là, non pas du dimanche matin mais du dimanche après-midi, à préciser que les personnes salariées dans ces établissements, doivent percevoir une rémunération au moins égale ou double donc de la rémunération normalement due pour la durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Cela ne concerne pas que les grandes surfaces, mais ça concerne aussi tous les commerces à vocation alimentaire qui seraient ouverts le dimanche après-midi. Alors, il vous avait été proposé, je pense, une liste assez longue. Je vous propose donc de retenir... dans les 12 dimanches, le 7 juillet, le 14, le 21, le 28, le 4 août, le 11 août, le 18 et le 25 août, le 1er septembre pour la saison, on va dire la pleine saison, et ensuite le 15 décembre, le 22 décembre, le 29 décembre pour donc l'approche des fêtes et la période donc de Noël. Il vous est demandé de délibérer pour émettre un avis et donc d'arrêter la liste que je viens donc d'énoncer pour l'année 2019, sachant que c'est sous réserve de l'avis de la communauté de communes par son conseil communautaire qui doit délibérer avant octobre. Est-ce qu'il y a des observations, Marie-Claude? Comme tous les Sinon, je peux reprendre le texte de l'année dernière. Mais comme les choses n'ont pas évolué. Il m'est arrivé aussi de discuter pas mal avec du personnel de grandes surfaces, parce que malgré tout ce que tu dis, ça concerne quand même après 13 heures surtout les grandes surfaces. Il y a une qualité de vie qui se dégrade voilà, ça leur plaît pas plus que ça d'être obligé de venir le dimanche après-midi. D'autant que je me dis qu'une demi-journée de fermeture, c'est quand même pas trop, c'est pas excessif. Et ce que je crains moi. Ensuite, assez rapidement, c'est qu'on demande des ouvertures du soir et que la phase suivante, ça sera presque des ouvertures de nuit. Donc voilà, donc je n'ai pas changé d'avis, j'ai dit ça l'année dernière et je reste sur le même avis, donc je voterai contre cette demande d'avis. Très bien. Sur la dérogation au repos d'opinion. Est-ce qu'il y a d'autres avis ou s'il n'y a pas d'autres avis, on peut... Je ne veux pas répondre, enfin, on répond chaque année, voilà, je ne suis pas toujours, si vous voulez, j'ai envie de reprendre, on pourrait reprendre le même texte hein, pour rigoler, n'est-ce pas? J'ai vu hier soir que l'Italie, qui était celle qui ouvrait le plus, est en train de changer
Oui, bon, voilà, l'Italie change beaucoup en ce moment. C'est la vie de famille. Voilà, c'était l'argument du gouvernement italien. Oui. Ouais. Ben, l'Italie, je sais qu'en ce moment, il y a des flux migratoires très, très perturbants pour eux, semble-t-il. Mais on est quand même aussi, nous, dans un flux migratoire qui n'est pas tout à fait le même. Ça s'appelle le tourisme. Et quand on est à plus de 350 000 personnes en pleine saison, c'est vrai qu'il faut aussi répondre à la demande. Et très curieusement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont actifs en saison, qui vont dimanche après-midi faire leurs courses. Et heureusement que ces commerces sont ouverts. Sinon, il n'y aura pas d'autres possibilités. Alors, on n'en est pas rendu au soir, ni à la nuit. Mais la nature compense toujours le vide, paraît-il. Bon, très bien. En retenant donc un vote contre de Marie-Claude Merlin, est-ce qu'il y a d'autres votes contre? Ah oui. Ah non, pas tout à fait. Dominique? Vote contre? Oui. Dominique? Oh, non. Ah non, je croyais que tu bougeais ton stylo. J'étais là. Donc, trois votes contre, une abstention? Non. Vote contre aussi. Non, okay. D'accord, donc j'ai bien compris. 4 votes contre. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est voté. Je vous remercie. On en arrive donc à l'administration toujours générale sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public alors, de prévention et de gestion des déchets. Bon, vous avez certainement eu le temps de lire avec détail l'ensemble des documents qui vous sont présentés. Vous remarquerez une présentation plutôt ludique, intéressante. Vous noterez qu'il y a plusieurs thèmes, les organisations. Alors là, j'ai découvert qu'on avait 31 734 foyers qui étaient concernés par le ramassage des déchets et des ordures ménagères. Les indicateurs, 618 kg par an et par habitant pour l'année 2017, hein, c'est bien l'année 2017, pour un total de 13 600 tonnes environ collectées. Les déchetteries, donc pour ceux qui n'y sont pas encore allés, mais j'en doute, vous remarquerez la qualité de la réfaction complète de la déchetterie de Saint-Pierre-d'Oléron avec donc la transformation et l'arrêt de l'incinérateur que nous avions. Ça a nettement amélioré la situation conflictuelle qu'il y avait en permanence sur ce lieu, les conditions de travail des agents qui sont dessus, bien sûr, et ça a simplifié, bien sûr, la notion du tri et l'approche que l'on peut faire sur les déchets qui sont apportés. Donc ça, c'est plutôt très, très positif. Après, on a les indicateurs financiers. Alors, vous remarquez que les résultats sont largement excédentaire, mais après il y a aussi une part et une quote-part donc d'investissement à venir sur l'année 2018-2019 sur de nombreux sites, en particulier pour sécuriser les lieux des déchetteries, ceci compensant cela. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne gestion communautaire, il faut le souligner. Je voulais juste rajouter quelque chose d'assez important qui me tracasse et qui tracasse, je pense, l'ensemble des communes et encore plus le conseil municipal de Saint-Pierre. Je pense que vous serez unanime avec moi. Pour la gestion des dépôts sauvages que nous subissons et qui méritent de votre attention de temps en temps quelques doléances, quelques rappels et puis surtout d'être interpellé par les habitants sur des dépôts sauvages que nous avons de toutes sortes, en particulier près des containers enterrés. En deuxième lieu, donc il y en a qui sont très célèbres, hein, les Merrières, je pense, donc sur la route de la Grand-Côte. Près du centre EDF, où là on découvre donc ce chiffre en mètres cubes, voire en camions entiers qui sont déchargés. Il y a bien sûr les chemins ruraux, il y a les vignes qui sont souvent concernées, il y a donc des différents éléments, des terrains privés parfois. Et donc ça nous pose de réels problèmes. Alors j'ai cru comprendre que la communauté de communes allait se pencher sur la question et mettre en place des caméras pour le coup surveillance. Je savais que ça allait vous. Je savais que t'allais pas me dire oui longtemps. Et donc des caméras surveillance pour déjà signifier que sur ces lieux sont mis sous surveillance. Deuxièmement, pour signifier aux contrevenants le risque qu'ils prennent par rapport au code de l'environnement et le rappel à l'ordre qui sera nécessaire. Et je vous dis ce soir en conseil municipal que nous on s'attachera à déposer plainte systématiquement contre toute personne que l'on pourra identifier, sachant que l'amende peut être très lourde, hein, c'est 3 500 € d'amende. Ça peut être des travaux d'intérêt généraux, ça peut être très important, et ça sera surtout exemplaire. Il y en a un petit peu ras-le-bol, franchement. Ce n'est pas que l'été, c'est tout au long de l'année, soyons clairs. Hein, je pense que dans les affaires, en plein mois de décembre, ce ne sont pas que les touristes. Mais c'est vrai que des fois, on trouve de tout, des gravats, donc on va dire de maisons, de travaux publics, de maisons, de bâtiments. On trouve du déchet vert, bien sûr, souvent de fois, et puis surtout des intérieurs de maisons. Alors ça va du le célèbre matelas de la route des Châteliers qui est resté pendant 15 jours, jusqu'au frigo du congélateur plein qui, faute d'une panne électrique, n'ayant pas le courage de nettoyer le poste de bord de la route, c'était beaucoup plus facile à le poser chez le voisin. Donc c'est comme ça. Donc voilà, on en est là.
Je ne vous cache pas qu'on est très agacé et que quelque part, je crois que François, c'est 140 tonnes. 150 tonnes par an de dépôt et de ramassage fait par les services techniques, en plus des poubelles et des conteneurs. Oui, Dominique. Alors moi, je passe tous les jours devant. Alors, je dirais que ce n'est même pas suffisant ce que ramassent nos employés municipaux, les pauvres. Je les plains à chaque fois que je passe. Et cette année, pour la première fois quand même, là, c'est grave pour moi. Hein. J'ai vu des rats. C'est l'hygiène publique, bien sûr. Et Joseph aussi. Donc, mais Joseph est un chasseur. Oui. Non, mais c'est pour dire que c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Les gens ne sont pas raisonnables. C'est pas comme prendre pour ça. C'est juste là, franchement. Alors après, les moyens, je ne sais pas quels moyens on a pour les... Voilà, mais c'est sûr qu'il faut ramasser derrière eux, sans arrêt. Alors, on ramasse, mais ça ne suffit pas. Au contraire, c'est incitateur. Alors, c'est vrai que je ne suis pas trop habitué à ça, mais je crois que le moyen sera la répression. Il faut taper fort, parce que c'est trop facile, quoi. Ils déposent, on ramasse. Donc, qu'est-ce qui les empêche? Et j'ai l'impression que ça s'amplifie. Donc, l'île d'Oléron est un territoire fragile, me semble-t-il. C'est pas toi qui vas nous dire le contraire. Et c'est de notre responsabilité d'engager quand même une démarche là-dessus pour éviter que bah, tous nos traitements de paysage, nos structures, ou nos chemins ruraux, nos pistes cyclables, tout ce qu'on peut imaginer, surtout nos conteneurs, deviennent des drags dépotoirs parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller vers les déchetteries, j'en parlais à l'instant. Et quand on voit ce qu'on leur propose en termes d'horaire d'ouverture et de possibilité donc, d'accueil gratuit des déchets, ce qui n'est pas le cas dans toutes les collectivités, je connais beaucoup d'autres collectivités, c'est un paiement donc, au kilo, à la tonne, au volume, ce que vous voulez, on en est dans du service gratuit, à un moment donné, il va falloir agir. Parce que l'île d'Oléron ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce rapport annuel du service du déchet. Mais pas du service du déchet donc des orduriers qui déposent, mais du service du déchet général. Est-ce qu'il y a des remarques? Juste pour compléter, effectivement, bah, avec Françoise, on a la régie Oléron Déchets et on a la chance de participer tous les deux au comité de pilotage pour la redevance incitative. Donc c'est des choses dont on parle souvent. Et c'est vrai qu'il en a été question encore lors de ce copil sur les dépôts sauvages. Donc effectivement, des questions. Alors, ce que certaines personnes disent, c'est que le fait que ça soit amené près des zones, on va dire, d'apport volontaire, ça permet aussi peut-être, est-ce que ça, on visualise un peu plus, est-ce qu'avant c'était mis un petit peu à droite à gauche, est-ce que le fait de quelqu'un met un paquet, donc d'autres mettent un paquet, peut-être aussi, peut-être qu'il y a, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a un petit peu moins disséminé dans la nature, enfin, c'est ce que j'espère moi, j'espère qu'elle soit un peu plus concentrée à des endroits, ou à ce moment-là, c'est peut-être plus facile de nettoyer. J'émets une hypothèse, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait d'un seul coup beaucoup plus de dépôts d'ordures. Enfin voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément la solution ce soir. Ce que je sais, c'est que des adjoints ici autour de moi ont pris en flagrant délit des gens qui déposaient, se sont pas fait agresser, mais c'est presque à la limite. Et je considère que ce n'est pas de notre rôle d'être agressé, parce qu'on rappelle aux gens que les poubelles se mettent dans les poubelles et pas à côté. Je rappellerai que toutes ces personnes qui viennent en vacances ou qui déposent à côté ont des poubelles chez eux, des conteneurs, sont habituées à vivre avec du tri, sélectif ou pas, et savent très bien comment ça fonctionne chez eux. Ils ne le font pas d'ailleurs chez eux. Ils le font d'ailleurs toujours chez le voisin ou ailleurs. Donc, moi je veux bien qu'on soit dans la pédagogie, mais c'est assez limite aujourd'hui. Françoise. Oui, simplement, Marie-Claude, à ta remarque, ce n'est pas les colons d'enterrés qui attirent les ordures autour, puisque autrefois, il n'y avait pas les colons d'enterrés, et vous connaissez le territoire plus que moi, encore certains, depuis longtemps que je suis là aussi, des frigos dans des terrains privés, des matelas, des cuisinières, des voitures, enfin, et des gravats de chantier, je pense qu'on a tous constaté un jour. C'est déjà ces dépôts sans qu'il y ait des colons enterrés. Je ne pense pas que ce soit le fait d'avoir des colons enterrés qui, attire plus les déchets. Ce que moi, tu sais bien qu'on en a discuté en commission, et de toute façon, malheureusement, comme dit monsieur le maire, il n'y aura que la sanction qui pourra atténuer ce genre d'attitude, car nous n'y arriverons pas, je pense, par la gentillesse, l'avertissement. Je pense que nous, en tant qu'élus, on le fait. Même en tant qu'administré, on n'est pas toujours bien accueilli, même très mal. Et je pense que moi, la sanction sera... Parce qu'au niveau de l'étude, par rapport à la redevance incitative, tu sais bien que ce coût
de déchets sauvages sera mis en cause, et ce qui fera une redevance beaucoup plus chère en plus. Donc il va falloir étudier ça sérieusement pour que la population ne soit pas pénalisée. Voilà. Bien. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, donc je vous propose donc d'adopter ce rapport annuel. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. On en arrive donc aux commissions internes suite à nos changements respectifs des conseillers municipaux. Alors, il vous est proposé donc une délibération en deux parties. Concernant les. Alors, pour la démission de Thibault, l'arrivée de Michel, il y avait donc des présences de Thibault dans les affaires culturelles, jumelage, communication, en sport, donc dans le bureau de l'OMS, dans le comité de rédaction, bulletin, donc la lanterne, et dans le conseil d'administration de l'office de tourisme. À la différence que la lanterne, maintenant, nous la faisons en début de bureau municipal, de façon à ce qu'il y ait plus de participants, faute d'acteurs dans les derniers mois, je vous propose donc un remplacement poste pour poste de Michel Muller à la place de Thibault Brechkoff. Et de votre côté, vous proposez Marie-Claude Marlin. Oui, alors nous, il y a juste... c'est pas un problème, on attendait que Dominique nous rentre au conseil municipal, en fait, pour qu'on puisse se répartir les commissions. Et en fait, moi, j'avais mis le souhait auprès de mes collègues de démissionner des affaires culturelles et du sport. Et on a commencé à réfléchir, on a discuté avec Dominique pour voir quel poste on pourrait se... Donc on demande éventuellement à faire des propositions au prochain conseil municipal, si possible. Sauf qu'on ne fait pas révision de toutes les compositions de toutes les commissions. Non, mais là, c'était l'occasion, puisque... Oui, mais c'est gentil, mais dans ce cas, ce sera pour un prochain conseil, alors. Oui, c'est ça, c'est possible. Et moi, je ne suis pas candidate au Castel. Donc, il faudra trouver un remplacement pour Patrick Moquet, donc à la commission mixte. Oui. Voilà. Pour les finances, je suppose que c'est toi. Oui, mais il nous manquera quelqu'un. Et il faudra bien trouver un remplaçant pour toi. Donc, vous n'avez pas de proposition à faire ce soir. Pour le Castel... Donc, moi, je vous propose de voir ça au prochain conseil. On avait Jean-Yves d'Assis, mais bon... Alors, ce que je vous propose, je sursois... Voilà. Alors, attendez, si vous me permettez, je vais reprendre mon conseil municipal en main. Donc, je vous propose de sursoir, non pas de ma propre volonté, mais de vous laisser tranquillement délibérer entre vous. On ne va pas interrompre le conseil municipal... Attendez qu'il va être un peu long pour puisser prendre des décisions. Le prochain conseil, sur ces trois commissions, culture, finances et commission mixte Castel, vous nous apporterez vos lumières. Voilà. Bien. Donc sur les propositions que nous avons faites, très simples, vous remarquerez, mais qui nous arrangent bien, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. On en arrive aux finances et je passe la main à Jean-Yves Livinet, mon adjoint aux finances, qui va se faire un plaisir de nous faire les présentations des délibérations suivantes. Merci, monsieur le maire. Donc, on commence par la première délibération qui concerne le camping municipal et la prise en charge du césure d'indemnité d'intermittent du spectacle pour le service culturel. Cette année, les intermittents du spectacle n'ont pas pu être logés dans le local qu'ils utilisaient d'habitude. Donc, ils ont été logés sur le camping. Il vous est demandé de l'autorisation de prendre en charge un montant de 55 euros. On avait pris précédemment une délibération pour ce qui concerne les pompiers bénévoles qui venaient l'été, puis les sauveteurs. On avait imaginé qu'éventuellement un intermittent du spectacle puisse avoir l'utilisation du camping. Voilà ce qui est chose faite. Il n'y a pas d'observation particulière. On va passer au vote. Est-ce que vous acceptez cette prise en charge sur le budget? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie, et eux aussi. La délibération F2, approbation des bilans annuels 2018, logements sociaux CEMIS. Je rappelle que la CEMIS est l'organisme qui gère les programmes de la Louisiane, la Grenette, le Québec et Montréal. Comme chaque année, les bilans vous sont présentés par la CEMIS pour ces différents programmes.
Le but, c'est que vous soyez informé, que le conseil municipal soit informé. Il a demandé d'approuver le bilan, c'est peut-être un terme un peu impropre, mais enfin, c'est ce qu'il vous a demandé de faire. Vous voyez, vous allez observer que les résultats sont positifs, hein, puisque la totalité des résultats pour la CEMIS pour l'année 2017, c'est 129 375 euros. L'impact, il est que le résultat de cet organisme ne nous revient pas, ça reste à la CEMIS. Il y avait l'année passée ou l'année d'avant, je ne me souviens plus exactement, mais la question s'était posée parce qu'il n'était pas dans la convention, il n'avait pas été précisé que les déficits étaient gardés par la CEMIS. Or, la convention a été modifiée à l'initiative de Sylvie Frougier de façon à ce que ce soit clair, les résultats restent à la CEMIS, mais les déficits restent à la CEMIS. C'est important d'être informé, puisque en fait, on a l'obligation, dans le cadre des logements sociaux, nous, municipalités, de garantir les emprunts qui ont été contractés par ces organismes. La CEMIS, bien sûr. On n'a pas de garantie au titre d'Habitat 17, pour ce qui concerne les emprunts, mais si on fait la totalité des emprunts qui ont été contractés, bon, les emprunts sont remboursés, la preuve, puisque les résultats sont là, on a 2 millions et quelques milliers d'euros de garantie par la commune. Donc bon, on peut être assuré, les résultats sont bons. Ce qui serait compliqué, c'est si toutefois ces organismes-là n'arrivaient pas à compléter, quoi. Enfin, on ne sera pas les seuls, parce que je pense que les garanties d'emprunt sont portées aussi par les départements et par les régions avec lesquelles ils contractualisent aussi des dossiers donc, de réalisation. Donc on serait certainement, après tout dépend dans quel ordre, on serait dans le tableau des personnes qui seraient soumises à contribution. Personne morale. Ouais. Ça dépend, il faut quand même un jour vérifier. Vous avez en annexe les bilans, on ne va pas les commenter. Hein, mais aussi, vous observez que les résultats sont bons et les comptes financiers équilibrés. Donc voilà. Oui. Donc vous avez demandé d'approuver les bilans. Donc s'il n'y a pas d'observation sur ce que vient de nous présenter Jean-Yves, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. Délibération F3, simple, hein, ça concerne le golf municipal. L'association sportive du golf a organisé en juin 2018 la coupe de la ville de Saint-Pierre-d'Oléron. Des lots ont été offerts par la ville et vous en avez la liste ici. Ces lots-là figuraient au stock du compte du golf, il faut les enlever pour 146,16 €. Ça ne pose pas de difficulté, évidemment. C'est une décision, une délibération qui est prise chaque année. Donc, pas d'inquiétude, c'est pas la Coupe du Monde de foot, hein, ça n'a rien à voir, c'est une petite coupe. Donc, est-ce que vous avez votre contre, des abstentions? Tout le monde est pour, je vous remercie. La délibération F4, approbation du rapport de la CLEP, évaluation de la compétence en matière de GEMAPI et PAPI. Alors, le texte est relativement court. Le rapport qui vous est présenté là est un peu plus long et un peu plus dense. Il peut paraître un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous le résumer en essayant de simplifier ça dans la mesure où l'impact financier est quand même très important, mais il est là quand même, et pour longtemps, puisque finalement, les choses, à partir du moment où les commissions déterminent les montants que devaient supporter, que devront supporter les communes, et rembourser à la communauté de communes, sont figées. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Vous rappelez qu'il y a deux volets dans la GEMAPI. La gestion des milieux aquatiques et puis la prévention des inondations. Ces deux volets importants, on va essayer de vous l'expliquer. Deux commissions au titre de la CDC se sont réunies pour essayer de déterminer les montants qui seront pris en charge par les communes, qui étaient pris en charge précédemment par les communes et qui vont être ensuite transférés à la CDC, puisqu'en fait c'est la CDC qui prend ça en charge. Mais bien évidemment que la CDC, il faut qu'en contrepartie, elle puisse récupérer les dépenses qui étaient faites par les communes auparavant. Quoi. Donc cette commission s'est réunie deux fois, au mois d'avril 2018, pour ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques, ce qui paraît moins compliqué, et puis le 18 juillet, pour ce qui concerne la prévention des inondations. Alors, donc, la loi a obligé de transférer la compétence GEMAPI, donc
gestion des milieux marins et prévention des inondations à compter du 1er janvier 2018. On n'a pas le choix, il fallait le faire. Dans ce rapport, il est bien fait, hein, si vous voulez bien le regarder, il est assez bien expliqué. On va essayer de résumer un petit peu tout ça, parce qu'il y a différents scénarios qui ont été proposés. Moi, je vous donne les scénarios qui ont été pris, qui ont été appliqués, de façon à pas alourdir un peu notre réunion. Donc, le premier volet, il s'agit de la gestion des milieux aquatiques, hein, c'est la gestion des marais, des chenaux. Et sur ces charges-là, qui étaient donc prises en charge précédemment par les communes, c'est évident que les communes du nord de l'île étaient impactées beaucoup plus que les communes du sud. À partir du moment où la communauté de communes reprenait la compétence sur l'ensemble de l'île d'Oléron, il s'agit de mutualiser en quelque sorte ces charges-là. Le scénario qui a été repris pris, il y en avait plusieurs, vous lirez ça dans le rapport, c'est que on avait sur l'ensemble de l'année un montant de 126 000 euros pris en charge par l'ensemble des communes. Il a fallu répartir ça entre différentes communes, sachant que par le passé, une commune comme Saint-Georges-d'Oléron avait un impact de 85 000 euros par année, rien que sur cet aspect de gestion des milieux aquatiques. La commune de Saint-Pierre était à 15 000 euros, je crois. Donc, il fallait répartir un petit peu tout ça. Le scénario qui a été retenu pour faire ces calculs-là, c'est une sorte de mixte, hein, c'est-à-dire qu'on a pris 25% de la surface des marais. On aurait très bien pu dire, par exemple, que en fonction des surfaces des marais dans différentes communes, on appliquait strictement ces pourcentages-là, ce qui aurait peut-être pas très, très réaliste, il fallait moduler un petit peu tout ça. Donc 25% sur la surface des marais, 25% sur le linéaire des chenaux, et puis on appliquait 50% sur les cotisations actuelles qui étaient prises auparavant. Quoi. Donc on arrive, pour ce qui concerne, vous avez ça à la page, je crois que c'est à la page 11, très bien. Qu'est-ce qu'il y a dit à la page 11, c'est Dominique ? La page 11, c'est bien, vous suivez bien. À la page 11, du rapport, et le montant qui va être supporté pour l'avenir, parce que c'est des choses qui sont figées, si vous voulez. C'est qu'on va devoir, à la CDC, 16 327 euros. Ça, c'est le premier volet. L'autre volet, c'est le transfert de la compétence prévention des inondations. Je crois que c'est en 2013, je ne sais plus quel mois, mais un plan PAPI avait été signé pour la période 2013 à 2021. Et des listes de travaux avaient été engagées et prévues. Vous en avez, je crois, à la part en annexe du rapport, la liste précise, affectée par commune. Et pour ce qui concerne les années 2012 à 2017, un montant avait déjà été payé, avait déjà supporté par les différentes communes. Pour ce qui concerne la commune de Saint-Pierre, nous avions supporté à ce titre-là une dépense de 164 866 euros. Il fallait ensuite arriver, puisqu'on était en 2017, il fallait donc après répartir les charges qu'il restait au titre du PAPI, donc de la prévention des inondations, pour les années ensuite, pour les années qui suivent, 2018, 2019, 2020, 2021, puisque c'est la fin du PAPI. Donc dans la prévention des inondations, il y a un premier volet pour arriver à la situation, à la clôture du PAPI 2021. Et sur cette reste de dépenses à réaliser, pour ce qui concerne la commune de Saint-Pierre, on ne va pas passer les communes les unes aux autres, ça peut être un intérêt, mais on va alourdir encore une fois la réunion. Vous avez tous les détails dans le rapport. La commune de Saint-Pierre va devoir supporter 344 015 euros jusqu'à l'année 2021. Il a été décidé de répartir ce montant de 344 015 euros en 4 fois. Donc on va supporter, à compter de l'année 2018, 344 000 divisé par 4, ça fait 86 014 euros. Pour ce qui concerne le plan de prévention des inondations, ce n'est pas fini avec le premier PAPI qui avait été signé en 2013.
Il se poursuit à compter de l'année 2022 et cette commission a dû devoir figer en quelque sorte le montant de la dépense. Prenez votre temps, attendez. Merci. Le montant de la dépense à venir, bon, on est parti sur la même base avec la liste que vous avez là. On avait un montant à supporter par la commune d'1 748 000 euros. Et là, dans le débat, il aurait pu, le premier débat, si vous voulez, il était question de prendre en charge sur une période de 10 années. C'était relativement important, puisqu'on avait, pour ce qui concerne la commune de Saint-Pierre, 508 000 à notre charge sur cette période. En fait, il a été décidé d'amortir le montant en mutualisant un petit peu tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les études, on amortit ça sur 10 années. Tout ce qui concerne les travaux, on amortit ça sur 25 ans. Ce qui fait que, pour compter de 2022, au titre du PAPI, le montant de la charge pour la commune sera de 24 917 euros. Alors, la charge pour la commune, en fait, l'articulation, c'est que la commune ne va pas régler ce montant. Elle pourrait le faire, bien sûr, parce que la commune va titrer pour elle ces montants-là. Pour ce qui nous concerne, nous avons un montant d'attribution de compensation qui était au 31 décembre 2017 de 196 000 euros. Donc, au lieu de régler à la commune, au lieu que la commune nous règle, ça c'est un montant que la communauté de communes nous règle régulièrement chaque année. Ces 196 000 euros viennent du fait du transfert des compétences au titre du tourisme, puisque... Et de la taxe professionnelle, mais on percevait les taxes de séjour, et ensuite les taxes de séjour dans le cadre du transfert de la communauté de communes sont prises par la CDC, ce qui fait que la communauté de communes nous reversait, on avait un côté positif. Quand vous regardez le tableau à la fin, le tableau de la page 15 ou 16, je crois, vous verrez qu'à la fin de l'attribution et du transfert de compétences GEMAPI, on est la seule commune à être positive. Toutes les communes de l'île devront verser des sommes à la CDC. Pour résumer, pour les années 2018 et 2021, on va donc avoir au titre de la milieu aquatique une somme de 16 327 euros. Si vous regardez bien le tableau, vous allez voir que la somme est appliquée à compter du 1er mai au titre de l'année 2018, ce qui fait un montant un peu moins important, c'est l'explication. Et pour ce qui concerne la prévention des inondations, 86 000, 4 euros. Si bien qu'on va déduire du montant de l'attribution de compensation 102 000 euros, c'est-à-dire que vous verrez le tableau, au lieu de percevoir 195 000 euros, on va percevoir 95 000 euros. Ce montant-là va changer à compter de 2022, puisqu'il va devenir un peu plus positif, puisque au titre du PAPI, le montant, la somme supportée par la commune ne sera plus de 86 000, puisque ça c'était la mise à jour du programme PAPI jusqu'au mois de l'année 2021. On va avoir une somme de 24 937 euros supportée, ce qui vient qu'on va avoir en plus de la gestion des milieux aquatiques et du programme PAPI un montant de 41 000 euros, si bien que l'attribution de compensation va remonter à une centaine de millions de milliers d'euros. Bon. Pour ce qui concerne Saint-Pierre-de-Léron, lorsque dans les années 2016 et 2017, on n'avait pas précisément, on savait ce qu'on avait dépensé, on avait pensé 162 000, ce que vous indiquiez auparavant, mais on ne connaissait pas le montant qu'on allait devoir supporter dans le cadre du PAPI. Et on a été relativement prudent puisqu'on a pris la décision de constater deux provisions au titre de 2016-2017, 250 000 euros, deux fois, donc 300 000 euros. Et en 2018, on avait pris dans le cadre des immobilisations, c'est un peu une orientation comptable, on avait mis 204 000 euros en investissement. Je veux dire par là que pour supporter nos charges futures PAPI, on avait mis 300 000 euros plus 200 000, 500 000 euros. Sur ces 500 000 euros, en 2018, on va avoir à supporter 100 000 euros. Si bien que
On était prudent par rapport à ça. Et sur nos résultats, ça va se ressentir puisqu'on va pouvoir annuler notamment les provisions des années 2016-2017 pour 300 000 euros. Et puis affecter nos 100 000 euros qu'on va affecter, enfin on va modifier, je veux dire, le montant de l'attribution de compensation qui était pour notre budget de 196 000 euros et qui ne sera plus que de 200 000 euros. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce qui concerne le transfert des charges GEMAPI. Bon, lisez le rapport, il est bien complet, largement plus complet que ce que je vous ai raconté, mais j'essaie d'être le plus court possible. Merci Jean-Yves pour ces précisions financières dans le cadre donc de la commission du transfert des charges. Tu as dit beaucoup de choses et c'est vrai que c'est très important de rappeler un tout petit peu l'historique, mais c'est ce qui est important aussi de dire, c'est vrai que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est que dans les transferts et les fonds de compensation versés par la CDC à la commune de Saint-Pierre, la situation remonte à un long historique. Entre la communauté de communes et la commune en particulier, à chaque fois qu'il y a eu des réformes des collectivités territoriales sur le transfert donc des compétences, et la commune de Saint-Pierre, par sa centralité, avait donc une somme d'entreprise considérable donc dans les années 2004. Et le premier transfert de charges, le premier transfert de compétences a été celui-ci. Et on s'est retrouvé donc dans une situation un petit peu particulière à l'époque où on avait, nous, communauté de communes, enfin nous communes, des charges muséales, par exemple, le musée à réaliser. On avait aussi une aire d'accueil des gens du voyage à réaliser pour une commune de plus de 5000 habitants. Et on avait donc négocié à l'époque avec la CDC que dans le cas de ce transfert des charges et de la taxe pro, qui était un peu plus d'1 150 000 euros que recevait la commune de Saint-Pierre, qui a été transférée complètement, intégralement à la CDC. On a négocié cette prise en charge de gestion muséal et en particulier de l'aire d'accueil des gens du voyage, et en même temps il y avait après une fonds de compensation assez forte. Au fil du temps, chacune des compétences nouvellement transférées a amenuisé ou différencié ou modifié par le compétent jeunesse et ainsi de suite. Et la taxe de séjour a été le dernier élément important où on avait des sommes considérables là aussi, et c'est pour ça qu'on arrive à ce solde. Ce qui est important dans ce qu'a dit Jean-Yves à l'instant, c'est que ce n'était pas acquis par rapport à la GEMAPI et au PAPI que la commune de Saint-Pierre et les autres communes soient dans cette situation. Car dans les trois scénarios que tu as notés, ce n'était pas celui-ci qui était du tout prévu au départ. Et en ce qui concerne les investissements et les ouvrages qui pouvaient être réalisés dans la protection de l'île d'Oléron dans le cadre de ces submersions, ils n'étaient pas du tout partis sur 25 ans. Il voulait répartir les sommes des trois communes qui étaient impactées par Xintia. Je rappelle qu'on est bientôt en train de fêter le 10e anniversaire de Xintia et que la commune de Saint-Pierre et de Saint-Georges ne sont toujours pas protégées à ce jour. Et les travaux qui reprennent donc là dans les jours à venir au niveau de la Pérotine ne nous amènent pas à une situation tout à fait satisfaisante malgré tout, et qu'on arrive quand même à avoir un petit peu de temps de retard à l'allumage si on devait considérer les autres territoires de Charente-Maritime. On peut dire que l'île d'Oléron, pour le coup, on a pris le temps de réfléchir avant d'agir, ce qui n'est pas forcément une source de bien-être. Il n'empêche qu'on avait des sommes considérables à dépenser. Les travaux du chemin de la Pérotine, c'est un peu plus de 7 millions d'euros, c'est considérable. Et si on avait simplement fait la lecture de la participation actuelle du PAPI 2, je rappelle les règles de répartition des financements, c'est l'État, la région, le département, la communauté de communes et la commune pour la partie restante à hauteur de 10%. Et on avait, nous, commune de Saint-Pierre, des sommes considérables à apporter. Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, c'est à peu près 500 000 euros. Au départ, c'était prévu pour 750 000 euros. Et dans l'esprit de certains techniciens, ils pensaient qu'on allait reprendre cette clé de 500 000 euros répartie sur les trois dernières années, je vous laisserai imaginer le chiffre, et qu'on allait demander à la commune de Saint-Pierre tous les ans de contribuer à cette hauteur. Là, j'ai hurlé. J'ai dit stop, c'est pas possible. On ne peut pas faire cela. Le territoire, c'est vrai que c'est un territoire unique. L'île d'Oléron doit être solidaire, ce qui n'est pas toujours facile à accepter. Mais la commune de Saint-Pierre, par sa population DGF, contribue beaucoup, par sa centralité aussi. Je viens d'expliquer pour les transferts des charges. Donc on a essayé de différencier la partie fonctionnement de la partie investissement. Et on en arrive à cette règle des 10 ans et des 25 ans. Et pour le coup, c'est un peu plus facile pour nous à supporter. J'arrive à rappeler aussi la règle des provisions que nous avions faites et qui nous tenait à cœur, et heureusement qu'on l'a pu le faire dans nos budgets respectifs, car aujourd'hui, c'est un peu plus confortable financièrement et on est un peu plus sécurisé.
Et puis je rappellerai aussi le fondamental, c'est que le syndicat de marée de la Pérotine, c'était une gestion qui était faite entre la commune de Saint-Pierre et la commune de Saint-Georges, et c'était un syndicat qui nous concernait. Et on avait, sur les dernières années, par aussi un souci de prudence, comme tu l'as souligné, essayé d'anticiper un petit peu l'arrivée de la GEMAPI, et on n'avait pas porté d'investissement très lourd. Mais si on était resté dans la forme du syndicat, on aurait aujourd'hui à supporter, par exemple, les travaux de la berge de Lillette, dans le chenal, dans la Pérotine, pour protéger en particulier l'aiguille et puis tous les habitants du quartier. Et là, ce serait 400 000 euros qu'on devrait supporter entre deux communes. Et là, on aurait dû budgétairement trouver une participation respective en dehors des subventions qu'on pourrait trouver que sur les deux seules communes. Pour vous dire que le GEMAPI, ce n'est pas toujours très agréable, ce n'est pas toujours très confortable financièrement, mais en même temps, si on se projette dans le temps pour le PAPI 3, ça nous permet d'être un petit peu plus serein, en particulier pour la partie PAPI, hein, prévention des inondations, tout en rappelant que si on réfléchit un tout petit peu et qu'on écoute ce que peuvent nous dire la nouvelle région, la région de Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas sûr que la région participe, mais on est encore moins sûr que l'État participe dans l'avenir. Ce qui veut dire que c'est quand même 40% de financement qui vont disparaître sur les projections que l'on peut faire. Et si on regarde tout le territoire de l'île de Léron et les 86 km de rivage que nous avons, on n'aura peut-être pas les mêmes sommes à porter, on sera peut-être sur du traitement de doux, on va dire, sur la gestion de nos dunes, de cordons dunaires, poste de ganivelle ou autre. Même si on arrive avec Oléron 21 à trouver des axes de financement pour ces biais-là, on n'aura pas de suffisance financière pour supporter ces 86 km de côte. Si aujourd'hui on fait la somme de Saint-Trojan et de Boyerville, on est à peu près à 16 millions d'euros d'investissement, uniquement pour 3,5 km. Je vous laisse imaginer le reste. Et ça, c'est pour l'avenir une véritable bombe à retardement financière et surtout des gros risques. Et ce n'est pas les 22 euros de taxes GEMAPI par an par foyer que l'on va avoir en termes de recettes qui vont suffire à couvrir nos besoins financiers. Ça, c'était les éléments que je voulais apporter. Sinon, pour le reste, je pense qu'on est plutôt bien lotis. Et c'est vrai que dans l'avenir, dans nos compétences et dans nos transferts que l'on pourra avoir, il faudra toujours être prudent, car je conclurai là-dessus, c'est que les compétences communautaires sont toujours financées par les communes. Et quelque part, ça sera quand même un jour à y penser, que quand on a des compétences communautaires, c'est bien le budget communautaire qui l'assume et qui le supporte, et ce n'est pas par des contributions systématiques de compensation communale. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc sur cette délibération d'approbation du CLEC, sans rentrer dans les détails, vas-y, je t'en prie. Une question de détail, mais c'est parce que je veux comprendre. En fait, dans les dépenses à venir, là, Jean-Yves, page 16, je ne sais pas si c'est des simulations ou des études, parce qu'il y a plein d'études, impact urbanisme, ça veut dire quoi? Ils envisagent. Des travaux qui ont été faits, c'était à partir du PAPI, de la prévision de PAPI de 2012-2021. Oui, la liste a été faite, c'est surtout à quelle page, mais en annexe. Il y a toute une liste qui a été reprise. Ouais. Ouais. Alors, il y a différentes études, mais urbanisme, qu'est-ce qu'ils font, des simulations, des quoi? Où est-ce que tu vois ça? Je ne sais pas là précisément ce qu'il note. Ce qui est important, c'est que il y a quand même des lieux qui sont habités. Et dans les études qui seront faites du PAPI, pour ce que j'en peux te dire là, comme ça de mémoire rapidement. Dans les différents scénarios que nous avons étudiés, il y a eu des projections qui ont été faites par les études et des simulations. Par exemple, je pense au village des Allards, de savoir si on doit protéger la berge, en particulier le côté est de l'île de Léron, ou est-ce que l'on doit faire une surélévation et une protection des marais à partir de la route des huîtres. Et quels sont les impacts en termes d'urbanisme et d'habitat? Et ça s'arrête là. C'est une étude qui est faite parce que, en fait, sans rentrer trop dans les détails, dans ce beau schéma assez simple que vous avez compris ce soir de la gestion du GEMAPI et du PAPI, il n'empêche que derrière, on est quand même sur une île qui est classée dans des zones sensibles et qu'à chaque fois que l'on veut faire quelque chose, et je reprends l'exemple de la Pérotine sans vouloir faire ce soir encore le procès de qui que ce soit, ni de rentrer dans des intentions particulières, j'ai rien contre mes amis, il n'empêche que on en est aujourd'hui à 10 ans de retard bientôt de réalisation de cette protection de berge de chêne à Pérotine pour uniquement une gestion environnementale
et des espèces protégées à côté, et dès qu'on demande de compensation ou des interruptions de travaux, ou voire même des révisions complètes avec interdiction de les faire. C'est important de souligner. Donc, impact urbaniste, ça existe aussi. Et malgré ce que j'ai pu entendre quand je suis allé devant la Commission nationale environnementale, me dire qu'il fallait éradiquer la présence humaine et leur demander d'aller habiter plus loin. Je préfère vivre autre chose. Non, j'ai rien dit. Ce petit exemple, c'est-à-dire, je le soulève parce que ça parle, parce que c'est oui. L'argent, et il faut savoir ce qu'ils font. Enfin, c'est 10 000 euros sur voilà, le programme de 5 ans porté à l'échelle de l'île d'Oléron. Enfin, c'est pas une grosse somme. Non, mais ça parle. À l'échelle de l'île d'Oléron, c'est 1 700 000 euros. Voilà. Ça n'est pas l'impact urbanisme. Après, sur l'impact urbaniste, c'est sans doute des changements de PLU et de zonage, parce que voilà, ça doit être le coût d'un changement de PLU ou de zonage, qui est toujours, de toute façon. Sauf que, encore une fois, les changements de PLU, c'est-à-dire, si vous me permettez, j'en parlerai tout à l'heure avec le PPRN, mais les révisions du PLU sont à la charge des communes. Non. Mais c'est ce qu'on expliquait, c'est que 2021, donc on va arriver au bout d'un premier programme, et puis on va repartir, puisque en fait, la compétence est constante après par rapport à la CDC. Donc on est parti sur des bases qui devront ensuite, les dépenses sont supportées par la CDC, en espérant que l'évaluation ait été faite correctement. Je rappellerai que 2008, c'est Cynthia. 2012, c'est un papy. Et qu'aujourd'hui, on est en 2018, qu'on n'a pas fini papy 2 et que papy 3, on ne sait pas comment le faire. Je pose beaucoup de questions. Voilà. Donc, sur cette approbation, je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Demandez pour. Je vous remercie. Délibération F5, convention de partenariat pour le soutien à la réalisation de logements locatifs sociaux 2018-2020. Bon, il s'agit de renouveler une précédente convention qui avait été signée en janvier 2012. Vous en avez le modèle ici, vous avez ça en document annexe. Bon, rien de particulier, c'est renouveler la convention dans les mêmes conditions, de façon à maintenir un peu l'effort pour les logements sociaux. Donc vous êtes demandé d'approuver le renouvellement de la convention de partenariat et d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Vous avez la convention ici dans vos documents. Bien, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que la CDC modifie sa participation et que nous, on rajoutera deux ailes à prouver le renouvellement. Et parce qu'il y a une petite faute d'orthographe pour la convention de partenariat, que je vois que tout le monde avait suivi attentivement. Voilà, et de m'autoriser à signer la convention qui est jointe, est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? C'est une démarche collective et qui va dans le bon sens. C'était la dynamique que nous souhaitions au niveau de l'île d'Oléron, de création de logements sociaux à loyer modéré et de réfaction de réalisation. Donc on a un beau programme et manifestement tout le monde participe à l'effort pour que on se soit au bénéfice des personnes qui sont dans le besoin. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc, la délibération qui suit concerne donc le développement d'une démarche éco-responsable du projet quotidien. Je pense que c'est Eric qui va nous présenter cela. Oui. Merci, monsieur le maire. Donc, depuis plusieurs années, la commune de Saint-Pierre-de-Léron, gestionnaire du port de la Cotinière, a souhaité donner des orientations environnementales aux infrastructures portuaires. Afin d'en être cohérente avec les démarches éco-responsables des marins pêcheurs de la Cotinière, c'est la gestion des quotas de pêche, la sélectivité des engins de pêche et le ramassage des déchets trouvés en mer. Les premières actions ont été engagées pour gérer durablement les équipements portuaires et les ressources. Atelier de tri, le démontage et ramondage des filets, qui est fait par l'association Navicule Bleue et les ateliers des gens de mer, la déchetterie portuaire, point de collecte sur les pontons, pré-étude sur la valorisation des déchets de poissons, le débourbeur des huileurs pour la récupération des hydrocarbures et l'acquisition d'un nouveau chariot élévateur fonctionnant à l'huile biologique. Le présent projet s'inscrit donc dans une démarche globale. Il doit permettre d'aller plus loin dans la structuration de cette dynamique et d'en permettre une communication pédagogique vers les usagers du port et du grand public.
C'est pour ça qu'on vous propose l'acquisition d'un chaland pour une collecte quotidienne des déchets dans le bassin du port. Depuis très longtemps, on ramasse les déchets avec une petite embarcation qui a 20 ans et qui est un petit peu vétuste. C'est pas très pratique. Il s'agit essentiellement de déchets présents sur les bateaux et issus d'apports volontaires des professionnels en mer. Je rappellerai qu'on collecte à peu près 450 tonnes de déchets annuels. Voilà. Le port de la Cotinière souhaite améliorer la gestion sur le plan d'eau, augmenter la qualité des services aux usagers en matière de collecte des déchets dans le bassin. Pour cela, il souhaite acquérir une plate ostréicole de 7 mètres de long, disposant d'un mode charge et d'un moteur de 40 chevaux, qui sera beaucoup plus pratique que notre petite embarcation actuelle, qui est un petit peu vétuste. En même temps, des installations de plaques pédagogiques en différents points du port. Des plaques pédagogiques, la mer commence ici. Sur les bouches d'égout et la destination du grand public. Sans vouloir t'interrompre, je pense qu'on pourra commencer Place Gambetta aussi. Vu la quantité de mégots qu'on a ramassés ce matin avec les feuilles mortes, donc des platanes. Je pense qu'on pourrait le mettre partout dans toute la commune. Ça, et des plaques pontons sur le ramassage des déchets et les usagers du port. Et pour compléter, un outil de communication pour valoriser la démarche environnementale auprès du grand public. Par des flyers de communication grand public, retraçant la démarche engagée par le port, les marins, l'atelier des gens de mer notamment. Plaque ou fanion sur les barges ostréicoles, sur la barge ostréicole, pour identifier le rôle du bateau de service en matière de gestion de déchets. Et des pavillons sur les bateaux de pêche impliqués dans la démarche vertueuse. Donc pour ceci, on a un budget provisionnel, qui est l'acquisition d'un navire de service de 40 000 euros, la réalisation et la pose des plaques qui est de 5 000 euros, et l'outil de communication qui est de 2 000 euros, le tout faisant un total de 47 000 euros. En face, nous avons des subventions, faites en mesure des LOL 18 800 euros, la région mesure des LOL 18 800 euros, et un autofinancement de 9 400 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce travail qui va dans le bon sens? Bon, s'il n'y a pas de remarques particulières, je vous demanderai donc d'approuver ce développement de nos démarches éco-responsables du port de la Cotinière, de m'autoriser à engager les dépenses, et puis donc de faire une demande de subvention auprès donc du FEAMP, à hauteur de 18 800 euros. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions et pour. Comme c'est une affaire qui marche bien, le port de la Cotinière, je vais laisser toujours Eric présenter la deuxième délibération. Oui, c'est une étude des aménagements des espaces publics et des abords du port de la Cotinière. Monsieur le maire étant gestionnaire actuel du port de la Cotinière, la commune de Saint-Pierre-de-Léron souhaite se doter d'un document cadre qui donne la visibilité sur les aménagements prévus à ceux envisagés sur la zone portuaire. Les espaces du domaine portuaire sont au cœur du projet d'aménagement et représentent un puissant levier de transformation. Ainsi, en complément de la transformation engagée par l'extension du port, il s'agit d'engager une réflexion globale d'aménagement qui donne un sens aux différentes opérations prévues ou possibles à 5 ou 10 ans, mais ne fiche pas un plan exact. D'accompagner le développement du port et impulser une requalification cohérente du front de mer. C'est pour les travaux futurs après l'aménagement portuaire, forcément. D'évaluer différents scénarios avec leur impact, le coût prévisionnel, et choisir une procédure opérationnelle destinée dans les délais. Le projet consiste à réaliser une étude pré-opérationnelle et non d'une étude de faisabilité et aménagement, qui pourrait suivre dans un second temps. Le périmètre de l'étude s'étend du pôle crié actuel jusqu'au nouveau terre-plein, incluant l'axe de desserte routière qui structure l'organisation du secteur, ainsi que la zone AUP, zone d'urbanisation future réservée aux activités portuaires, 1 hectare environ. Ça, on parle de la propriété ouvrière. Différentes thématiques seront traitées par l'étude. Mobilité, proposition de scénarios d'amélioration des conditions de circulation et de stationnement
pour tout type de véhicule, VL, PL, cycle, piéton, TC. Donc, possibilité de piétonnisation d'une partie du site. L'espace public analyse des usages existants et attendus sur l'espace public et propositions de scénarios d'aménagement et des programmations qui confortent l'attractivité du secteur en produisant un partage apaisé de l'espace. La partie paysager environnemental, proposition d'une partie prix paysager environnemental axée sur les usages qui privilégier la sobriété des matériaux et des opérations. Contribution à la transmission énergétique, prise en compte de la stratégie territoire énergie positive à l'île de Léron, mobilité douce et énergie renouvelable, et les risques littoraux. Donc, la réalisation de l'étude sera confiée à un prestataire externe qui mobilisera une équipe pluridisciplinaire et un calendrier entre 6 et 12 mois. Le prestataire seul ou en groupement, devra mobiliser les compétences suivantes, urbanisme, architecture, paysage et environnement, sociologie, mobilité et réseau. Donc pour tout ça, on a un budget de prévisionnel de 40 000 euros, qui est forcément, on a sauté sur l'opportunité, comme c'était pris à 80% de subvention. Le FEAMP qui mesure DLRL 16 000 euros, région mesure DLRL 16 000 euros, autofinancement 8 000 euros. Voilà. Merci Eric pour cette présentation de délibération. Alors c'est vrai que 80% de financement, ça fait rêver, ça reste pour l'étude. Je suppose qu'après, quand on rentrera dans la partie dure et réalisation, on n'aura certainement pas les mêmes clés de répartition en termes de financement. Mais il était important de commencer cette démarche pour penser à l'après. C'est-à-dire qu'une fois que le projet portuaire sera réalisé, il y aura forcément une modification de la façade portuaire et de la lecture de l'accueil des publics, de la circulation des populations par rapport au port et sur les différents éléments que l'on va mettre en place en termes culturels, en termes historiques et sur la gestion des flux. Donc c'était une démarche importante et puis en même temps de nous engager sur une réflexion complète puisque ça va aussi impacter la vie du village de la Cotinière. Donc ça, c'est très important. Voilà, ce titre, je pense qu'au conseil municipal de décembre, on fera un point d'information assez long sur la situation, les avancées, le début du chantier du port de la Cotinière. Aujourd'hui, je ne vous en parle pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'intention. C'est parce que nous sommes en train de travailler de façon hebdomadaire et quotidienne, c'est tous les jours. Et que nous mettons en place donc toute la schématisation de l'ouverture du chantier pour l'installation des véhicules, les arrêtés municipaux, la circulation des poids lourds, toute la dynamique, je dirais, de l'agenda et du calendrier nécessaire pour la réalisation de ce projet. Forcément, le temps des travaux, il y aura des nuisances, c'est évident, et des gênes. Notre but, c'est d'essayer de les amortir le plus possible et de permettre la bonne réalisation des travaux. Donc il y a plein de choses qui vont être engagées, en particulier, par exemple, aujourd'hui, on est très rapidement, on a un petit peu inversé la situation, on va certainement faire un giratoire provisoire, je dis ça en rigolant, qui risque de durer un peu plus longtemps que provisoire, sur l'intersection que nous avons actuellement avec le parking du Cap Nord et le parking des Forains, et la propriété aux Bruyères, de façon à permettre aux véhicules et en particulier aux gros porteurs, de pouvoir circuler sans rentrer dans la Cotinière et d'accéder aux zones techniques et de réalisation du terre-plein et du commencement de l'empirement des digues. Sachant que dans le projet portuaire, je commence à en dire beaucoup, il y a deux lectures, il y a la digue, on va dire, est ou ouest, ou la digue sud et nord, suivant si on est marin ou pas. Mais il y a ces deux axes différents, mais qui vont être engagés en même temps. Et la menée des pierres, qui sont quand même conséquentes, hein, sont des pierres qui font 5 à 6 tonnes pièces, donc vous imaginez ce que ça peut faire sur un camion. Donc va nécessiter de la part de la préfecture et des services de gendarmerie, certainement d'accompagnement par convoi, trouver les bons horaires, trouver des axes routiers, et ça va nécessiter de notre part, après quelques études, quelques modifications de sens de circulation pour permettre à ces gros camions de ne pas passer sur le port de la Cotinière. Donc ça, ce sont les éléments qu'on va présenter après et qui vont arriver à très vite. Il semblerait qu'on ait sur une lecture à peu près un mois et demi, deux mois d'installation de chantier, ce qui est conséquent par rapport au volume que je viens de vous présenter.
et ils vont commencer à amener les pierres et les poser pour qu'après, par engin, ils puissent les amener sur le lieu précisé. Et après, le vrai gros chantier, le gros du travail commencera donc début de l'année. Donc tout ça sera expliqué sur le calendrier précis. Et il y aura quelques réunions au préalable avec les acteurs donc, du port pour finaliser tout ça. Les commodités de navigation d'entrée et sortie du chenal, les balises, le creusement, enfin toutes les techniques maritimes non perturbantes mais qui seront nécessaires et qu'on a déjà travaillé avec la commission maritime. Donc sur cette délibération sur les études d'aménagement donc des espaces publics aux abords du port, est-ce qu'il y a des prises de parole et remarques? S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération qui suit concerne les fonds de concours pour l'achat de vélos assistance électrique. Donc, en fait, vous savez que la communauté de communes de l'île d'Oléron est engagée dans un plan, alors il y a marqué ambitieux dans la délibération, mais c'est vrai, en matière de réduction d'énergie consommée. Donc on est dans un territoire énergie positive, avec un horizon que l'on souhaite respecter, où on produira plus d'énergie qu'on en consommera. Donc j'espère qu'on sera toujours là en 2050. Mais la commune de Saint-Pierre, en attendant, s'engage aussi dans le plan mobilité, appelé PDM, et en particulier la communauté de communes, par sa délibération du 4 juillet, a précisé qu'elle pouvait participer à hauteur de 800 euros maximum pour tout acheteur de vélos électriques. Et ce qui s'est passé pour la commune de Saint-Pierre, nous avons donc un vélo qui est ici derrière nous. On voulait le mettre au milieu, mais ça faisait peut-être un peu trop. Là, ici, c'est le tapis pour les mariages. Donc, je n'osais pas trop mettre le vélo électrique. Mais il est à nos côtés. Il est orange, avec des belles sacoches de postier marquées Ville de Saint-Pierre-d'Oléron. Et il fonctionne très, très bien. Ça me permettra tout à l'heure, dans quelques-uns des points que je vais aborder, de vous parler de la semaine de la mobilité. Et donc, nous avons acheté un vélo français, vendu par une entreprise locale. À hauteur donc de 1999,17 €, ça c'est l'effet du cap des 2000. Et la CDC participe à hauteur de 800 euros hors taxe. Vous avez le solde restant à charge à la commune. Et je suis très fier, et avec tous les acteurs qui nous suivent sur cette affaire, de pouvoir vous présenter cette délibération. Alors les agents s'en servent très très bien. J'ai cru savoir, monsieur Valenbois, que certains allaient même très vite avec. Donc ils vont de plus en plus vite de service en service. Des records sont en challenge. Nous sommes à 35 km/h, notre vitesse maximum de ce vélo. Je n'ai pas trouvé encore la descente où ils arrivaient à appuyer sur les pédales, mais il y en a qui vont très très vite. Et en même temps, on n'utilise plus de véhicule, ce qui plaît beaucoup à Dominique sur ce dossier. Alors, en dehors de la délibération que, bien sûr, on va voter, je voudrais juste rajouter qu'on est en train de tester, vous l'avez dû le voir dans la presse, on avait fait une semaine un petit peu opération coup de poing communication sur notre fameux triporteur, qui a une vocation très particulière, c'est qu'il va être en lien avec les EHPAD et avec Mona Lisa et puis les animateurs, les animatrices qui travaillent dans ces établissements, pour que nous, même avec le biais de notre service de la vie quotidienne, on puisse permettre à des personnes âgées de bénéficier de ce triporteur à assistance électrique de construction finlandaise et leur permettre de se déplacer en étant de chez eux vers les centres-bourgs et de profiter de la liberté de circulation comme les vélos. C'est très confortable, c'est très sécurisant et on espère qu'au terme de ce mois d'essai, on aboutisse dans un projet que l'on va faire d'acquisition où là, il faudra remonter un dossier financier et de demander les aides nécessaires parce que c'est très coûteux. Et si derrière cela fonctionne et que ça convient aux utilisateurs, on appuiera aussi en ce sens. Et là, c'est plus une aide vers les personnes âgées, en difficulté, passagères ou permanentes, à mobilité réduite, et d'un confort supplémentaire à leur apporter, sans utiliser les véhicules, tout en étant dans le domaine ludique et de plaisir. Donc ça, c'était les informations que je voulais apporter ce soir. Voilà, s'il n'y a pas de... Si. Il sera à libre disposition, c'est-à-dire qu'il faut tous Alors, oui. Alors, si on cherche la machine humaine pour pédaler, d'ailleurs, je peux vous dire que ça marche tout seul. Hein. Il y a vraiment en plus un booster à impulsation pour aider le vélo à démarrer tout seul. Donc, heureusement qu'on n'a pas tout ça sur nos vélos électriques, parce que il y aurait des traces de pneus sur les démarrages au feu rouge. Mais toujours est-il que si il est volontaire, et on en profitera quand on aura fini notre schéma de test. On appellera bien sûr à avoir, avec Mona Lisa et le service à vie quotidienne, à avoir des volontaires qui pourront accompagner ces personnes. Il n'y a pas de souci.
Donc sur ce fonds de concours, bon, je pense que personne est contre, puisque c'est de l'argent qu'on vient de recevoir. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Donc tout le monde est pour. Je vous remercie. Donc là, on retourne en finance, et là, c'est pour des ventes, donc c'est pour Jean-Yves. Oui, donc la délibération suivante, c'est cession d'un véhicule communal, budget actif des portières. Le port utilisait une balayeuse. Cette balayeuse a été, la décision a été prise de faire l'acquisition d'une nouvelle balayeuse aspiratrice plus petite et plus maniable. Donc il s'agit là, dans cette délibération, d'accepter la cession de l'ancienne balayeuse qui a été reprise par la société Europe Service pour la somme de 7 500 euros. Donc il vous est demandé d'accepter la cession de la balayeuse aspiratrice Schmitt New 400 pour un montant de 7 500 euros, d'autoriser la sortie de l'actif de ce bien et d'autoriser Monsieur le maire, comme d'habitude, à signer les documents liés à cette vente. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire particulier. Donc on dit au revoir à notre aspiratrice. Et je trouve que c'est bien vendu, moi, 7 500, ça, je le dis maintenant. Parce que... Mais je vais vite le signer, le contrat. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Ben, je vous remercie. Délibération F10, connaissance du monde, convention Terre des Hommes. Il s'agit de signer une convention avec connaissance du monde. Vous avez la convention en annexe, la liste des conférences, il y en a 7, fixées le vendredi avec toutes les dates. Vous avez le sujet, le nom du conférencier. Donc, il vous est demandé d'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Les tarifs d'entrée pour le public restent inchangés et couvriront la période d'octobre 2018 à mars 2019. Le plein tarif, c'est 8,50 euros. Le tarif réduit à 6,50 euros pour les adhérents du club 3e âge, l'association locale et Castel. Le tarif scolaire est à 4 euros. La gratuité pour les moins de 12 ans accompagnés d'un parent et la gratuité pour les accompagnateurs du réseau Mona Lisa. Bien, sur cette invitation au voyage, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est pour. Délibération F11, CDC participation conseiller en énergie partagée. Monsieur le maire rappelle que la commune a adhéré au dispositif de conseil en énergie partagée en novembre 2017. Qu'il a signé en juillet 2018 la convention d'adhésion, le document est joint, et qu'il convient dorénavant de prévoir la participation de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron pour la somme de 1537,90 €, pour qu'il demande d'approuver ce versement, et de dire que les crédits sont disponibles au chapitre 65 du budget principal. Donc rien de très particulier, on avait un petit peu déjà parlé de cela. Je vous rappelle que cette somme-là, c'est pour 3 ans. C'est en fait renouvelé pour 2 années successives. Et quand vous regarderez en page 2 de la convention, là, les communes qui participent, vous verrez que chacune participe au prorata donc, de leur population respective. Et ça, c'est les sommes qui sont indiquées, ces sommes pour les 3 années. Sur un coût au départ de 108 000 euros, l'ADEME participe à hauteur de 72 000, la CDC et le bassin, donc la CDC de l'Oléron et de Marais participent respectivement. Et après, chacune des communes de ces 2 communautés de communes ont un ratio participatif. Donc, est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observations, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération F12, subvention commune OGEC de l'école Jeanne d'Arc. Donc, l'école Jeanne d'Arc, vous savez qu'avec l'école Jeanne d'Arc, il a été signé une convention d'association en juin 2017. Cette convention prévoyait strictement par la loi le financement de l'école Jeanne d'Arc et pour l'année 2000, la période 2018-2019, les montants sont fixés, c'est la moyenne finalement des charges supportées par la commune pour les autres écoles. Donc pour l'école maternelle, la moyenne d'un élève de l'école publique, c'est 1 625,86 €. La moyenne d'un élève pour une école élémentaire, c'est 663,51 €. Nous avons enregistré pour la rentrée 2018-2019 44 élèves de maternelle, 66 élèves d'élémentaire. Ça fait un montant de total de 115 329,50 €. La commune va devoir verser à l'école Jeanne d'Arc avec les échéanciers suivants, octobre 2018, 40%. Et le deuxième versement en janvier 2019, le solde en avril 2019 pour la somme totale de 115 000 euros,
329,50 €. Donc il vous est demandé de fixer le montant de la participation communale à l'OGEC de l'école Jeanne d'Arc par 115 329 € pour l'année scolaire 2018-2019, dire que les paiements seront effectués en 3 versements et dire que les crédits sont prévus pour le premier versement au budget de l'année 2018, c'était prévu puisque ça avait été déjà calculé à compter de l'année 2017. Bien. Oui. Marie-Claude. Nous dire quel est le pourcentage un petit peu de Saint-Pierret par rapport au total des effectifs. Ça a varié ou c'est un peu près pareil? Cette année, ça varie pas. Oui, mais j'en parlerai en fin de... On avait dit, même si tout le monde s'en va au fur et à mesure, je tiens à préciser qu'on a 8 questions diverses quand même, dont 7 de la majorité. Et on a plein d'informations à donner. Donc je remercie les deux représentants qui sont solides et fidèles, qui résistent. On aurait pu commencer par là, mais t'aurais raté le coup, David, donc c'est dommage. Une précision, c'est que pour ce qui concerne les élèves de l'école Jeanne d'Arc, ce sont des élèves de Saint-Pierre-de-Miquelon. Oui, oui, c'est important. Mais après, c'est vrai que la demande de Marie-Claude est importante par rapport aux effectifs globaux de l'école Jeanne d'Arc. Voilà. Okay. Ce sera... Je n'ai pas le chiffre déterminé. Donc sur cette délibération, sur cette participation financière communale pour les enfants scolarisés de Saint-Pierre pour l'année 2018-2019, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. Okay. Délibération F13, golf municipal, décision modificative numéro 2. Bon, c'est simple, le tracteur John Deere du golf a été vendu pour le montant de 3 600 €. Le petit tableau que vous avez en haut à droite du document qui vous est présenté, là, c'est la traduction comptable de cette opération. Donc, ça ne pose pas de difficulté. Vous êtes demandé d'approuver cette décision modificative pour 3 600 €. C'est la vente du John Deere. Rien de particulier, on avait déjà débattu des acquisitions et des investissements nécessaires sur le golf à l'occasion du DOB et des votes de budget. Il a fallu quand même racheter un tracteur, on ne fait pas que de la vente, on fait aussi des investissements. Et maintenant que la délibération va être votée, après vous aurez en circulation ce que je vous ai dit tout à l'heure, la décision modificative qui va passer à partant de Sandrine et qui va faire le tour du conseil municipal. Donc sur cette décision modificative, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions, pour mon défaut, je vous remercie. Délibération F14, 101e congrès des maires et des présidents de communautés de communes. Il s'agit de la prise en charge des frais des élus. Monsieur le maire vous indique qu'il assistera au 101e congrès des maires et qui sera assisté le 20 et 22 novembre 2018 par Madame Massé-Solet, Madame Sylvie Fougier, Monsieur Eric Gilbert et Françoise Vité. Il est proposé de prendre en charge la totalité des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration. Donc, je vous ai demandé d'accepter la prise en charge des frais d'inscription pour cette opération, d'accepter la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement pour Mme Massé-Solet, Frougier, M. Gilbert et Mme Vité. Précisons que pour certaines personnes, les hébergements ne seront pas à prendre en charge puisqu'ils ont trouvé des solutions autres que les hôtels. Donc ça, c'est habituel comme délibération. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Je vous remercie. La délibération F15, c'est la même chose que la précédente. S'il s'agit d'accepter les prises en charge des frais de déplacement pour le personnel, Jean-Yves Valenbois va accompagner Monsieur le maire et les élus. Et puis le directeur des services, Michael Donas. Donc il a demandé d'accepter la prise en charge de déplacement, d'hébergement, de restauration de M. Jean-Yves Valenbois, directeur général des services, et M. Michael Donas, directeur des services techniques. C'est bientôt fini, Jean-Yves. Alors, on sentait sur la 15e délibération une petite rapidité sur la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. Il vous remercie. Ça, c'est pour toi. Ensuite, donc, on arrive donc au chapitre du personnel municipal. La première délibération concerne la participation à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique, mise en œuvre par donc, le conseil départemental et le centre de gestion de Charente-Maritime. Donc, ce matin, nous avons eu notre comité technique où nous en avons débattu et aborder le sujet. Ce que je peux vous dire, vous avez certainement eu le temps de lire cette délibération, il y a un décret, qui donc le 2018-101, du 16 février 2018, qui précise les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation.
En fait, ça concerne tous les agents concernés, sont ceux employés par les collectivités, et c'est un petit peu pour accélérer les procédures et permettre donc une procédure plus personnalisée avec donc le centre de gestion, au lieu d'aller devant un tribunal administratif de façon systématique, et des fois c'est un peu plus rapide. Ce que je peux vous dire, c'est que l'intervention du centre de gestion, bon, elle se fait d'une façon très précise. Elle sera assurée par un agent qui sera spécialement formé à cet effet, qui garantit l'impartialité, les probités, le respect de la charte, des médiateurs et la confidentialité, bien sûr. Et il vous est demandé ce soir donc, de délibérer pour accepter la participation à hauteur de 70 euros de l'heure, si jamais cela se produit. Et ça n'empêche pas, bien sûr, si toutefois il y avait un jour un conflit nécessitant une intervention soit du tribunal administratif ou de cette médiation, de laisser le choix à l'agent de pouvoir le faire. Donc il vous est demandé ce soir donc, d'approuver donc, la convention d'expérimentation qui est jointe, d'adhérer à l'expérimentation et de m'autoriser à signer cette convention. Précisons que ce matin, nous avons eu une abstention. Voilà, c'est tout. Pendant le CT. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a donc des votes contre? Non. Si? Tu votes contre? D'accord. Donc, Marie-Claude Marlin, une abstention. Deux abstentions. Je vous remercie, c'est adopté. La délibération qui suit concerne la création de deux postes de droit privé sur le budget portuaire. Bon, on avait déjà pris des délibérations en ce sens. Ce sont des personnes qui sont en CDD reconduits et qui, dans le cadre donc, du Code des collectivités territoriales, donc, ont la possibilité d'avoir un CDI. On est donc, en, je vous rappelle, en fin de situation de gestion du port des Cotinières. Ces personnes sont donc citées dans la délibération et il vous est proposé de délibérer pour recruter ces deux garçons, de dire qu'ils répondront bien sûr aux conventions collectives et de décider des modalités de rémunération, de couverture minimale, des congés payés, de la durée de travail, des éventuelles heures supplémentaires, il y en a beaucoup sur le port, et plus généralement de toutes les conditions contractuelles qui seront donc fixées par la convention précitée. Je pense que ça n'appelle pas d'observation. Donc, je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Non, tout le monde est pour. La délibération numéro 3 concerne la prise en charge du compte personnel donc de formation pour un agent. En l'occurrence, c'est pour un agent travaillant à la cuisine centrale qui souhaite suivre une formation d'assistante maternelle à la suite de l'obtention de son agrément. L'agent donc, doit suivre une formation de 120 heures, dont une première partie de 60 heures. Elle est organisée et financée par le département. Et l'agent en question sollicite l'utilisation de son compte personnel de formation, ce qu'on appelle le CPF, qui est donc un droit, pour pouvoir suivre cette formation. Donc, je vous demande de délibérer pour l'accepter. Je ne vais pas rentrer dans les détails donc, de Cécile Chotard sur les heures et les jours, mais bon, vous avez le mois de septembre et le mois d'octobre, il y a 60 heures, et d'accepter la prise en charge donc, intégrale de ses frais de déplacement et d'inscrire ses crédits nécessaires donc, pour cette demande. Je pense pas qu'il y ait d'observation non plus. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Tout le monde est pour. La délibération numéro 4 concerne donc le RICSEP. Alors, je ne vais pas recommencer tout le travail qui avait été fait sur la mise en place du RICSEP. Je m'aperçois quand même qu'on est une commune plutôt avant-gardiste, puisque j'ai découvert l'autre jour, dans la lecture de l'Association des maires de France, qu'il restait encore 30% des communes qui n'avaient pas mis en place le RICSEP. Je suppose qu'ils vont avoir quelques petits soucis pour l'année 2019, mais ça sera pas le nôtre. Mais toujours est-il que dans le RIPSEP, il y a des petites mises à jour, on va dire, concernant certains agents qui n'avaient pas été encore identifiés, donc la catégorie B pour les médiathèques en particulier. Et c'est suite à l'arrêté, donc l'apparition de l'arrêté du 14 mai 2018, l'État qui nous préconisait de le mettre en place au 1er janvier, a pris un peu de temps pour faire paraître son arrêté pour nous permettre de l'appliquer. Donc là, ça concerne les agents du patrimoine et du bibliothèque, conservation du patrimoine et des bibliothèques. Le RICSEP, vous connaissez le débat. Il n'y a pas de situation particulière, simplement que ces agents sont aujourd'hui concernés aussi par le RICSEP. Ça n'a pas soulevé aucune réserve de la part du CT ce matin. Est-ce qu'il y a des oppositions? Ah non, est-ce que oui, des oppositions, oui, d'accord. Deux. Des abstentions? Abstentions. C'est l'inverse de tout à l'heure. Et Jean-Yves Dassi. Voilà.
Très bien. C'est la cohérence du... Oui, oui, du vote que vous aviez exprimé à l'occasion du RIFSTAG. Voilà. Très bien. Et sinon, les autres sont pour. Je vous remercie pour eux. On en arrive à l'urbanisme. Oui. Et notre dernière délibération à l'ordre du jour de ce soir. Donc ce n'est pas très, très important. Non, c'est simple. Je suis encore à nouveau une régularisation de voirie. Donc la délibération U1, intitulée rue de la Maté et rue des Pins à la Valinière, session gratuite. Donc le conseil est informé du souhait de M. Dolez de céder gracieusement à la commune la parcelle CE364, constituant l'emprise de la voirie à l'angle de la rue de la Maté et de la rue des Pins à la Valinière. Alors cette parcelle d'une contenance de 24 mètres carrés sera cédée à titre gratuit à la commune et les frais d'acte seront pris en charge par la commune, comme d'habitude. Alors on les a estimés à 800 euros, mais en fait, c'est simplement pour information, puisque ce type de transfert de propriété va faire l'objet utilement d'un simple acte administratif. On en a déjà réalisé deux ou trois et il n'y a que les frais d'enregistrement. Ça ne coûte que les frais d'enregistrement aux impôts. Donc le conseil est appelé à délibérer pour accepter le don de M. Dolez d'un terrain cadastré CE364 situé à l'angle de la rue de la Maté et de la rue des Pins à la Valinière, d'une surface de 24 mètres carrés et autoriser M. le maire, bien entendu, à signer les documents et actes relatifs à la cession gratuite de cette parcelle et que la commune se chargera de l'ensemble des frais d'acte. Bien, sur cette présentation, je pense que ça mène pas de grand débat. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Tout le monde est pour ? Je vois que le maire de la Valinière vérifie quand même. Le maire de la Valinière vérifie si c'est bien ça ? Non, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Je vous remercie donc pour avoir suivi cet ordre du jour un petit peu long, mais bon, on a fait des plus longs, des plus rapides aussi, mais on arrive donc aux questions diverses. Alors, je vais commencer par délicatesse par votre première question, puis après j'ai dit des points. Qui, voilà. Vous avez été destinataire du courriel donc envoyé par Claude Biardot, qui est donc le président de la Libre Pensée de Charente-Maritime, qui m'interpelle et qui vous interpelle aussi, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, sur leur communiqué. Vous avez certainement lu, hein, donc en dehors du fait que de son titre très raccrocheur avec le président de la République, je suis très honoré, moi, d'avoir été qualifié d'un émule de Macron. Après, je n'ai pas trop suivi, parce que je ne suis pas assez subtil pour eux, certainement, pour comprendre la réparation de l'Église et de l'État et ses collectivités en œuvre. Je n'ai pas saisi l'humour. Mais il y a donc un communiqué que vous avez lu. Un communiqué qui est adressé à l'ensemble des médias et qui n'a pas dû faire grand bruit. Je n'ai pas entendu parler sur BFM TV, CNews, je suis désolé, mesdames et messieurs, les représentants de la presse. Mais ça n'a pas fait beaucoup de choses. Et la votre question, c'est qu'est-ce que je compte répondre à ce communiqué? Alors j'avais dit à mes collègues élus en bureau municipal ce matin que la réponse allait être ultra rapide. Rien. Ça vous étonne, hein? Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois qu'ils m'écrivent, en fait. J'ai eu de leur part, et ça avait été aussi le cas, un précédent courrier en août 2017, où ils m'avaient écrit une longue lettre et j'avais répondu. Et je m'aperçois qu'ils doivent être certainement de bonne humeur, parce que ils ont recommencé. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs articles. Le premier, c'était donc le 30 août, dans le sud-ouest, il y avait les adieux du père Antoine Sagna, où nous étions avec Jean-Yves Livnet, Marie-Claude Marlin et moi-même à côté du père Antoine. Et dans le jardin du curé, l'idée m'en est venue de lui remettre pour son départ un livre qui s'appelle « Les couleurs et les chants ». Les chants, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les chants, j'y tenais beaucoup. C'est un livre qu'on nous avait offert, nous, à la commune, par le biais de Gérard Chemin, qui fait des tableaux que vous avez exposés ici.
et qui a été souligné en particulier sur le pont de la Cotinière, tous les approches picturales que l'on pouvait avoir des peintures délaissées par les marins. Et j'avais souhaité reconnaître auprès du père Antoine toute la dynamique culturelle qu'il avait amenée avec les chorales sénégalaises, la vie qu'il a menée dans la cité. Donc c'est un reproche qui m'a été fait. Alors il y a eu ce premier article, il y en a eu un deuxième dans le littoral, mais qui n'a pas dû réveiller les foudres de ce monsieur. Mais il est bien précisé que les entre guillemets qui sont cités dans leur comité sont bien, ont confié des convives au pique-nique. Alors, il m'attribue certainement l'ensemble, j'ai pourtant pas mangé grand-chose. Mais je n'étais pas tout seul à ce pique-nique. Et puis après, il y a eu cet article, la messe est dite. Où là, c'est pareil, il parle de tout le monde sauf de moi, mais toujours est-il que je suis attribué des commentaires de cet article, en hommage au travail accompli pour l'Église catholique. En 4 ans, il a suramé l'Église toutes sortes de personnes. Enfin, moi, ils font un mélange, d'ailleurs ils en parlent, un mélange des genres pour le moins surprenant, donc ils le citent eux-mêmes, en quoi un édile de la République doit honorer par une telle démarche, enfin bref. Donc, je ne vais pas répondre. Parce que ça m'avait fortement agacé les dernières, et là, ça m'avait piqué. Et je vais lire quand même la lettre qu'il m'avait envoyée l'année dernière, parce que je pensais que ce n'était pas très important, et manifestement, il ne lâche rien. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseils municipaux, c'est en date du 7 août 2017, depuis plusieurs années, dans votre commune, est organisée une fête appelée aujourd'hui la fête du port de la Cotinière. Celle-ci a fait l'objet d'un reportage d'annonce par 3 fois dans le quotidien régional, donc le samedi 5 août, le 6 août et le 7 août, à chaque fois. Il est fait état de l'organisation d'une messe et d'une cérémonie du souvenir à la chapelle de la Cotinière, en présence de la communauté des gens de mer et surtout des élus. Que l'Église catholique s'arroge le droit de représenter tous les disparus en mer, c'est son droit, même s'il s'agit d'une récupération religieuse et de prosélytisme, vous apprécierez, ça c'est moi qui le rajoute, et que les individus choisissent d'être présents à ce culte n'attirerait de notre part aucune remarque particulière étant pour la liberté de conscience. Mais il en est tout autrement si des officiels, par ailleurs élus de la République, participent à une telle opération de récupération liturgique de drames humains. D'autant plus que cette manifestation religieuse a fait l'objet d'une annonce sur le site officiel de la mairie. Bien sûr, il en aurait été tout autrement si vous aviez participé en tant que tel à une cérémonie civile en souvenir des disparus de la mer. La liberté de culte et son organisation qui découle du principe laïque défini par la loi donc, de 1905 autorise ces célébrations dans les conditions bien précisées de la dite loi. Cela doit rester en effet du ressort de la sphère privée, rendue par la même occasion heureusement inviolable. Déjà le 2 octobre 2015, ça je vous avoue, je ne m'en souvenais pas, nous avions adressé une lettre à ce sujet. Aussi ai-je l'honneur de bien vouloir nous préciser quelles sont les autorisations administratives dont vous bénéficiez pour pouvoir assister à ce genre de cérémonie. Je vous laisse apprécier, et je pense que les marins qui nous entourent autour de cette table apprécient la teneur de ce courrier. Alors j'avais répondu... Très rapidement, je vais vous la lire. Je fais suite à votre lettre du 7 août dernier relative à la fête de la Cotinière organisée en hommage des péris en mer, laquelle a retenu toute mon attention. La cérémonie civile correspond à la partie de la commémoration et la lecture par la Société nationale de sauvetage en mer des 124 victimes disparues en mer. Cette cérémonie est organisée par les marins pêcheurs, l'Association des caisses de secours aux familles des péris en mer d'Île d'Oléron, de la CNSM, du comité des fêtes et de l'Union donc des commerçants et artisans de la Cotinière. La sortie en mer et le dépôt des gerbes sont à la charge seule des marins. La commune, gestionnaire du port depuis des décennies, tient à souligner cette journée du souvenir en mémoire des marins disparus et de leurs familles qui souffrent toujours de leur lourde tribut. À cette occasion, la messe est célébrée en la chapelle de la Cotinière en leur honneur et mémoire. Je vous rappelle que les obsèques des marins pêcheurs ont toujours lieu dans cette chapelle, sans pour autant faire de la récupération religieuse et du prosélytisme. Et qu'en tant qu'élu de la République, vous m'interpellez sur ma participation et je trouve cette attitude déplorable et pathétique. Soyez certains que je ne manquerai pas de faire part à toutes les institutions portières, j'en fais donc le cas aujourd'hui, ici en conseil municipal, de votre lettre et des remarques bien éloignées de la solidarité que le village de la Cotinière manifeste donc par la mobilisation à toutes ces structures en respect aux différentes causes. Voilà ce que j'ai répondu il y a un an. J'en arrêterai là, parce que je pense que je ne vais pas répondre à leur polémique d'aujourd'hui, ça serait leur donner beaucoup d'honneur, et je ne me rappelle pas qu'ils aient interpellé tous les médias nationaux pour les obsèques de Johnny Hallyday, car il me semble que le président de la République était très présent et qu'il y avait beaucoup d'élus dans la cathédrale et que ça n'a pas vraiment perturbé la libre pensée. Bien sûr. Là, il dit, dans la lettre qu'on a reçue, d'avoir donné la médaille de la ville. Oui. Ah, voilà, je donne la médaille de la ville à un citoyen, comme un autre. Voilà. Et pas parce qu'il était curé, mais pour son rôle, son animateur social qu'il a eu. Et
est-ce qu'il aurait été pas préférable de donner cette médaille de la ville dans la mairie, qui est un lieu républicain? Dans le jardin du presbytère. C'est dans le jardin du presbytère. C'est nommé. Je suis d'origine réformée, et c'est vrai que moi aussi, ça m'a un peu interpellée. Je peux le dire. Je peux quand même dire que je pense un peu différemment. J'ai le droit, et c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellée. C'est vrai. Je l'ai donné aussi à d'autres personnes qui étaient du secteur privé. Pour certains, c'était des commerçants. Pour d'autres, c'était des présidents d'associations. Pour certains même, c'est des personnes qui ont voulu être discrètes et n'ont même pas voulu faire cas de cette situation, n'ont pas voulu que ce soit en public, pour des simples citoyens, parce qu'ils ont eu un geste simplement honorifique. Et ben franchement, que je l'ai fait dans le jardin du presbytère, du curé, ou dans la rue, ou ici en mairie, voilà, ben, peut-être, bon. Moi, je l'ai fait de façon spontanée avec la générosité qui était la sienne et la nôtre, que j'espère être appréciée de tout le monde et peut-être critiquée par certains. Si je peux intervenir, excuse-moi. Je pense que le jardin du presbytère, je ne sais pas s'il est sacré ou consacré. Non. Donc, si monsieur le maire l'avait remis cette médaille dans l'église, il aurait pu être critiqué de ce geste-là. Mais dans le jardin, c'est un endroit quand même public où tout être de toute religion confondue peut rentrer, même dans une église. On ne va pas refaire l'histoire. Je ne vais pas la refaire aujourd'hui. Non, mais tu as le droit, Catherine, d'exprimer simplement que tu dis à la mairie, ça aurait été très bien. Oui, je ne vais pas dire non. Mais ce que je veux dire, le jardin du presbytère, qui peut dire qu'est-ce que tu trouves gênant dans le jardin? Voilà, c'est pas un lieu consacré. Cette remise aurait été faite dans un lieu neutre, le lieu de la mairie, qui est notre lieu. Peut-être que ça n'aurait pas fait... Je te redonne le ressenti. J'ai quand même le droit d'exprimer l'impression de voir qu'elle est un peu différente. Voilà. On l'a bien entendu. Il y avait des personnes protestantes, il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout catholiques, il y avait des personnes athées, il y avait des présidents d'associations. Et je tiens à préciser, que tout le monde le note bien, qu'à la messe, nous n'étions pas avec nos écharpes tricolores, mais qu'il y avait tous les maires de toutes les communes qui assistaient à sa messe de départ. Voilà ce que je pouvais répondre à votre question. Alors, maintenant on va passer aux choses plus sérieuses. La semaine écomobilité, elle a lieu en ce moment, elle est du 16 au 22 septembre. Alors c'est une semaine européenne, c'est aussi une semaine française et fierté, semaine oléronaise. Alors je rappelle quand même qu'il y a un concours du challenge des collectivités, qu'il faut s'inscrire en ligne. Alors pour ceux qui ont envie de faire bouger la commune de Saint-Pierre qui avait eu les dernières, pas un gros cadeau, non, parce que c'est moi qui l'ai ramené ici, vous êtes empressés de le manger. Mais nous avons eu par le biais de l'ADEME, donc des saucissons, du pâté, donc ça c'est le côté jovial et sympathique. Je demanderai l'assistance de venir si vous le souhaitez. Je vous donnerai la date pour ceux qui m'ont fait l'amitié d'être à soir. Mais c'est l'ADEME, c'est la région qui nous offre ces cadeaux. Je pense qu'il doit y avoir un lien entre la nourriture et le bien-être du vélo. Mais toujours est-il que pour les membres du conseil municipal, si vous allez sur le site donc semaine portail du challenge de la mobilité, vous avez un code à taper qui est très facile. C'est IJE8849. Et vous avez un lien qui vous met en place. Vous vous inscrivez. Vous demandez juste votre nom. Ça vous permet de pouvoir associer les kilomètres que vous faites à pied, en vélo, en écomobilité, en covoiturage. Et ça permettra peut-être à la commune de Saint-Pierre de pouvoir toujours prétendre à la strate correspondante de sa population et d'être retenu. Donc ça, c'est important. Faites-le. Je n'ai pas pour habitude de faire l'apologie de ce genre de circulation douce, mais toujours est-il qu'on est plutôt dans une bonne démarche, et je parlais tout à l'heure du vélo, c'était l'occasion de vous en faire un petit rappel. Le deuxième point, c'est la foire agricole. Donc, je vous rappelle les dates, c'est le 28 et 29 septembre. C'est organisé par la communauté de communes, dans le cadre donc des journées agricoles. Donc il y aura plusieurs éléments. Alors moi j'ai déjà les prémices de l'affiche, très amicales. Je vous laisse faire tous les commentaires que vous souhaitez, d'une bonne tête de vache. Mais donc d'ailleurs, il y a un concours, une tombola. Et le tombola, ce n'est pas de gagner une vache, mais de déterminer son poids qui sera présenté. Alors après, je ne sais pas ce qu'on gagne, mais ça vaut le coup quand même d'y participer. C'est assez plaisant. Toutes les écoles vont y venir. Il y aura des ateliers, des rencontres. Il y aura un marché, donc des produits locaux, des démonstrations. Alors on va éviter les charrues
et les moissonneuses batteuses, puisque ça va se faire sur la place Gambetta. Donc, comme elle est toute neuve, on va en prendre soin. Il y aura un repas le vendredi soir. Et je vous invite à fortement y participer et à y venir en famille. C'est totalement gratuit. Et par honneur à l'histoire de la commune de Saint-Pierre et de cette place Gambetta, la première foire agricole que l'on relance se fera, bien sûr, sur ce site, en souvenir donc de son histoire. Et après, elle sera tournante, elle ira vers d'autres communes, vers d'autres lieux, et on profitera de faire vivre toute l'île d'Oléron de façon récurrente à chacune des occasions qui seront présentées. Pardon ? Ça remonte à plus de 50 ans, donc, pour vous donner une idée. Alors c'est vrai qu'on a notre foire mensuelle qui en est un subside, mais la foire agricole telle que celle-ci, ça faisait très très longtemps. Le troisième point que je voulais aborder, c'était Carignana. Donc, je sais que Jacqueline n'avait pas du tout prévu de parler, mais pour vous dire qu'à 3h du matin, vendredi, le bus partira, les retardataires suivront à pied, en vélo, en éco-mobilité, mais il faudra avoir un bon vélo électrique. Mais toujours est-il que c'est ce week-end que cela se produit, et nous partons donc, on est combien, 60 en tout, temps, avec tous ceux qui viennent en voiture. Faut appuyer. En tout, nous serons 68 représentants Saint-Pierre. Avec, il y a le comité des fêtes de la Cotinière qui vient, ils viennent à 14, hein, je crois, avec des huîtres, puisque les Espagnols sont très friands d'huîtres. Hein, donc, ils attendent. Moi, nous, on l'a fait quelques années avec mon mari. Et là, tous les ans, ils nous demandent, hein, mais vous n'avez pas amené les huîtres, mais vous n'avez pas amené les huîtres. Donc, cette année, j'espère qu'ils vont être... T'as le montant ? Voilà. Plus grand part, tout. Donc, il y aura aussi des Allemands, là-bas. Puisqu'ils sont, ils vont même signer le jumelage entre eux. Hein. Je sais pas, Christophe n'est pas au courant, mais il l'apprend comme vous. Hein. Moi, je viens de l'apprendre qu'ils allaient signer une charte de jumelage entre eux aussi, entre Spangenberg et Carignana. Voilà. Non, voilà. Donc, il va retrouver le maire de Spangenberg. J'en doute pas. C'est un grand ami. Et à chaque fois, on boit beaucoup de bière, donc j'essaierai de revenir lundi en bonne forme et en bon état. Ça sera du vin, mais bon, c'est pas grave, il va se mettre au vin. Non, mais je suis très content parce que c'est une très bonne démarche. Il y a eu des vrais liens d'amitié qui se sont créés quand on était à Spangenberg l'année dernière dans le cadre de la rotation des fêtes du jumelage. Et ben voilà, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on concrétise cette amitié. Donc c'est très important. Je rappelle que l'année prochaine, pour ceux qui aiment voyager, ça sera Pléchef, normalement. Donc là, ça va être un petit peu plus costaud comme voyage. Ça sera, on évitera le vélo électrique, on ira en avion électrique. Bon, mais merci Jacqueline. Donc, le point suivant, c'était pour vous dire que cet été, on avait profité un petit peu du calme des travaux, quoique nous allons bientôt les reprendre à pas cadencer. Je vais laisser la parole à Dominique Bosmeyer qui est en charge des salles. On a donc restauré et relooké complètement la salle polyvalente du château de Bonne-Mine. Donc, si tu veux nous en parler. Oui, effectivement, nous avions décidé que la salle du polyvalente du château de Bonne-Mine avait vraiment un besoin d'un reloucage. Ça faisait que quelques années quand même, rien n'avait été fait. Donc nous avons fait des travaux de peinture pour ceux qui ont pu la voir depuis que c'était dans le repas. Donc pour un budget de 25 000 euros, nous avons refait donc les peintures, les sanitaires, c'est un vrai besoin. Donc tout l'ameublement est refait. Les projets suivants sont le changement des portes vitrées. Là je ne peux pas les pas connaître. Le budget on ne le connaît pas encore. Dans les 2000 euros la porte, je crois, c'est tout le cas. Donc voilà, pas de luxe, il fallait vraiment le faire pour cette salle, pour qu'enfin ça puisse être un peu plus accueillant. On commençait à avoir des réflexions pour ceux qui l'ont joué, comme quoi c'était pas tip-top. Voilà. Merci Dominique. Donc précision, c'est des portes à l'identique. Hein. C'était normal. Oui, les portes à l'identique. Mais du coup, je vais laisser la parole à Françoise Massé qui va nous parler des travaux que vous pouvez... Vous avez certainement dû voir, en fait, on est en train de reprendre tout l'accueil et tout le rez-de-chaussée de la mairie. Donc, ce sont des gros travaux conséquents qui nécessitent quelques petites perturbations et une orientation différente des publics. Françoise. Alors, je vais peut-être rappeler la décision de réaménager l'accueil. C'est suite au transfert de la préfecture vers les mairies du traitement des cartes d'identité. Donc, il fallait un local confidentiel hein, pour tous les titres sécurisés, carte d'identité et passeport, et nous, ça ne le permettait pas. Ça fait suite aussi à la démarche de mettre en accessibilité tous les lieux publics, hein, puisque la salle Gambetta a été mise en accessibilité, l'urbanisme, donc maintenant l'accueil.
Donc on aura la création d'un bureau confidentiel, d'un bureau d'état civil, l'accueil d'une salle d'attente, puisque effectivement le petit côté où on pouvait se servir de salle d'attente, il y a deux marches et ça devenait problématique, les gens tombaient, donc ça a été supprimé, donc on perd de l'espace. Ces travaux devaient commencer dès janvier, mais on a eu quelques soucis à l'appel d'offres, hein. On avait des lots non pourvus. Donc maintenant, tout est rentré dans l'ordre. On a 50 entreprises de Charente-Maritime. On a deux de Saint-Pierre-de-Léron, donc carrelage, démolition et gros œuvres. Une de Bordeaux pour les portes automatiques, puisque nous allons avoir un SAS. Le montant des travaux s'élève à 100 000 euros hors taxe. Et nous bénéficions d'une subvention de 30 000 euros, dotation au soutien d'investissement public local, hein, venant de la préfecture. Le maître d'œuvre et l'architecte, le cabinet Aertz Planas. Alors maintenant, pendant ces travaux, donc, qui ont commencé hier, l'accueil va être différent. L'accueil au public va se trouver sur la place Gambetta, donc accès direct à la police municipale, qui orientera les personnes. Ensuite, pour les passeports et les cartes d'identité, ce sera juste à l'entrée du porche, à gauche, il y a une sonnette. Donc quand les personnes voudront pour une carte d'identité ou un passeport, ils vont à l'accueil, à la police municipale, on leur donne les documents, on leur donne un rendez-vous, et le jour du rendez-vous, ils viennent, ils sonnent, on vient leur ouvrir. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est l'urbanisme, ça ne change pas. Et pour tous les services administratifs ou autres, il y a l'escalier qui se trouve juste là, l'issue de secours. Donc on monte l'escalier et puis après, il y a le cheminement, donc les services techniques jusqu'au secrétariat général. Voilà, je pense. Donc les travaux vont s'étaler du 17 septembre, donc hier, jusqu'au 17 décembre. Je pense que nous, il y a... On a vu la plus patate de la police municipale. Ah oui, comment faire? Ouais, oui. Mais après, ils pourront toujours s'abriter sous le patio, en attendant. Après, on fait avec le moyen du bord et on n'a pas trop de possibilités autres. En combien de temps vous avez? 3 mois. 3 mois, jusqu'au mois de décembre. Quand même, ces travaux étaient attendus depuis très longtemps. Et je rappelle aux anciens adjoints aux travaux dont tu faisais partie que vous auriez pu vous y attacher aussi. Et on n'aurait fait pas les critiques que tu fais ce soir, mais on aurait pu très bien dire bravo, c'était nécessaire pour le public. Voilà. Après, il pleut. C'est bien de le rappeler quand même. C'est qu'aujourd'hui, on fait des choses. Jamais on a fait autant de travaux dans la commune, enfin dans la mairie, moi. Donc, le patio servira de repli pour les personnes qui seront soumises au problème de la pluie. On en a fini, mais merci Françoise. On va passer à la rentrée scolaire et du coup on va répondre à la question de tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a des chiffres intéressants à vous présenter sur le petit bilan de la rentrée scolaire en termes d'effectifs, école par école. Oui, bien une rentrée, bonne rentrée en général. Donc nos effectifs sont stables malgré la fermeture de l'école, de la classe de l'école maternelle qui était prévue, qui cette année ne concerne que 80 enfants, donc il n'y a plus que 3 classes, mais bon, on ne peut pas, comme on dit, l'éducation nationale ne garde pas les postes pour des classes vides, donc on n'a pas pu quoi faire pour garder ces 4 enseignants. Ça n'empêche pas que notre personnel, il y a quand même toujours 4 personnels, c'est-à-dire un personnel plus, puisque nous avons 3 ASN plus une personne. Donc le personnel ne change pas dans les écoles. Les écoles primaires, donc Pierre Loti, cette année, donc nous avons 163 enfants contre 165 l'année dernière. Donc ça reste assez stable. Il y avait une éventualité d'ouverture conditionnelle, mais il aurait fallu avoir plus de 15 enfants d'inscrits. Donc ça ne s'est pas fait. Voilà, je donne mes explications. Jean Jaurès, c'est une école qui évolue par rapport à... Nous avons fait un bilan depuis la rentrée scolaire 2008 jusqu'à 2018. C'est une école qui évolue en effectif, puisqu'en 2008, il y en avait 109 et là, il y en a 123.
Alors, il faut rappeler aussi que Pierre Loti, dans ces années-là, avait des effectifs de 270 enfants. Il y avait une hémorragie de Saint-Georges, presque trois classes de Saint-Georges, qui n'y avait pas de dérogation à cette époque-là, donc était arrivé sur l'école Pierre Loti. Donc, l'effectif actuel, si on peut penser qu'il est faible, est normal. Voilà, il est Saint-Pierre. Il est plus juste. Voilà, il est plus juste. Hein, les dérogations ont fait quand même une meilleure répartition des enfants dans les communes, ce qui est normal. Alors, à Pierre Loti, tu as... Alors, à Béraclis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Voilà. Étant à l'école Jeanne d'Arc, donc j'arrive à l'école Jeanne d'Arc, qui cette année, donc non, je ne pourrais pas vous donner les chiffres des enfants que de Saint-Pierre, car nous ne les avons pas encore transmis. On les a demandés. Ça va venir. Nous sommes qu'à 2 semaines de la rentrée. Donc par contre, l'année dernière, on avait donc, comme vous avez entendu tout à l'heure, lors de la subvention, 66 primaires et 44 maternelles. Cette année, je ne pourrais pas vous dire, sauf que nous avons 77 maternelles à Jeanne d'Arc et 107 élémentaires. Les Saint-Pierre, je ne pourrais pas vous donner de détails. Voilà. Mais je pourrais vous le communiquer ultérieurement dès que nous l'aurons. Voilà. Donc, de la rentrée 2018. Oui. Voilà. Hein. Donc, les effectifs sont stables des écoles, en définitive. Oui, oui. C'est ce qu'il faut bien penser. Voilà, ce sont vraiment des Saint-Pierre. Voilà. Alors, il y a une petite baisse de démographie. J'espère que nos logements sociaux vont donner une dynamique et que nous accueillerons beaucoup plus de familles avec des enfants. Voilà. Si j'ai répondu à vos questions... Bien, j'en arrive donc pour une information qui me semble le plus importante, et on est bientôt à 21h, donc c'est le moment avant de passer à l'apéro, parce que c'est quand même, après on sert le pot d'amitié, donc tout le monde a le droit d'y participer. Et donc je voulais juste vous dire que vous avez dû lire dans la presse cet été que je m'interrogeais sur l'arrivée un petit peu tardive du plan de prévention des risques naturels. Et on a eu, nous, les collectivités, on va dire, une inquiétude, parce que même si je rencontre le préfet assez souvent, pour d'autres raisons que je ne peux pas exposer ce soir, mais ça, on y était en attente, non pas que de la commune, mais aussi de nombreux citoyens et de leurs droits, de leurs terrains respectifs. Et je vous rappelle qu'on avait pris une délibération au conseil municipal, notant 7 points, et pas des moindres, dénonçant ce PPRN avec une enquête publique qui avait été assez riche, et un commissaire enquêteur recevant quand même que quelques doléances. Je vous rappelle aussi qu'au niveau de la communauté de communes, j'avais convaincu mes autres collègues maires de faire en sorte pour que la communauté de communes se positionne aussi contre ce PPRN et interpelle les services de la préfecture par rapport à cela. Il en ressort la chose suivante, c'est que nous avons enfin reçu, donc arrivé le 17 septembre, je crois qu'il va falloir changer le tampon, parce que là j'ai 14 septembre, donc le 17 septembre, donc le 14 septembre, j'arrive à le dire correctement, le 14 septembre 18, on a reçu effectivement le PPRN qui est ici, vous voyez qu'il est bien rangé, donc on n'a plus le temps de le lire en détail, toujours est-il qu'on peut vous en faire une petite synthèse, puisque le préfet donc, m'écrit pour me notifier ce nouveau PPRN et en particulier les synthèses des évolutions du document réglementaire. Alors, particulière, c'est à la commune de Saint-Pierre-d'Oléron. 7 relevés topographiques ont été fournis pendant l'enquête publique et ont été intégrés au document cartographique. De ces 7 relevés, 3 relevés ont permis de faire évoluer donc, des zones constructibles, voire hors PPRN pour un des cas. Donc, ça, c'est un premier point. D'autre part, dans le secteur de la Cotinière, uniquement concerné par un aléa submersion marine à long terme, les zones à urbaniser enclavées dans le tissu urbain ont fait l'objet d'une évolution de leur zone pour passer de zone rouge inconstructible en zone bleue constructible. Le règlement a également été adapté pour permettre l'extension des bâtiments de l'aérodrome ainsi que de la station d'épuration. Ça, c'est les points concernant Saint-Pierre. Moi, je tiens à vous dire ce soir en conseil municipal qu'on va regarder plus en détail dans les jours à venir avec les services ce qu'il en est, mais de ces éléments qu'on nous a écrits et précisés aujourd'hui, je pense qu'on n'ira pas vers un recours vers le PPRN, puisqu'on soulève déjà les 3 points essentiels. La station d'épuration, c'est un rappel des travaux que nous attendons pour la passer en équivalent 120 000 habitants dans les mois à venir,
pour pouvoir traiter les eaux sales de Saint-Trojan, Grand Village et de Dolus. Et donc c'était plus que nécessaire. Pour l'ensemble des communes de l'île d'Oléron, il y a aussi des dispositions qui ont été donc modifiées dans le PPRN. Donc sur la forme du document, des corrections d'erreurs matérielles, mais ça c'est mineur, des mises à jour donc, des bâtiments du cadastre. Pour les risques littoraux, ça nous concerne tous. Autorisation de remblais et rampes d'accès aux constructions. Intégration des relevés topo et modification des cartes de hauteur d'eau, d'aléas et de zones correspondantes. Modification des conditions de construction des clôtures afin de faciliter l'instruction des autorisations d'urbanisme, car c'était un point de blocage qu'on avait souvent dans nos PLU. L'autorisation d'augmenter le nombre de résidences mobiles de loisirs dans les terrains camping régulièrement autorisés à population constante. Création de cabanes salicoles de 20 mètres carrés. Homogénéisation des conditions de réalisation de zones refuge pour les bâtiments, suppression de l'interdiction de création d'hôtels en zone OS, adaptation des prescriptions liées au réseau et coffret électrique, et puis pour les risques incendies et forêts, réduction des distances de débroussaillement de 100 mètres à 50 mètres, suppression des dispositions relatives aux conditions de création de pistes cyclables en zone incendie-forêt, modification des critères de défendabilité des campings pour admettre leur extension, et modification de la rédaction relative à la résistance au feu des RML. Donc voilà les dispositions qui sont présentées en termes rapides de synthèse. Je pense qu'on aura peut-être, à la lecture des services, peut-être d'autres précisions à avoir. Donc c'est plutôt de bonnes conditions. Nous, ça va nécessiter de notre part de voir comment on doit statuer sur nos PLU respectifs, car certains vont être soumis à des modifications ou des révisions pour pouvoir être en compatibilité avec ce nouveau PPRN qui, normalement, devrait durer 10 bonnes années. Donc, sauf aléas climatiques majeurs, modifiant encore une fois les règles qui nous sont proposées pour l'île d'Oléron. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, si vraiment je sentais qu'il y avait une quelconque inquiétude, je vous en reparlerai soit par courriel, soit à l'occasion du prochain conseil municipal. C'est applicable là. Alors, on a une période d'un mois, je crois, de recours. Deux mois. Parce qu'il y a des questions. Oui. Beaucoup de questions de personnes qui attendent, bien sûr, pour leur terrain, et en particulier sur les évolutions de l'habitat en termes d'extension, en termes de rampe d'accès, c'est déjà une solution, en termes de remblai, et même pour nous, en termes de réflexion pour les constructions, puisque si on est sur des cotes NGF, donc là, il y en a 7 qui ont été modifiées, mais contraignantes en termes d'habitat, soit il fallait accepter des maisons avec des vides sanitaires, soit c'était de la constructibilité pure et dure. Je rappelle qu'on avait quand même lancé une modification de notre PLU en conséquence de ce PPRN, parce qu'on avait été bloqué sur des zones dites en attente à urbaniser, ces fameuses dents creuses qui existaient dans certains de nos villages et qui étaient devenues zones inconstructibles, alors que tout autour était entouré de maisons qui étaient sur des aléas à long terme. Donc, je ne vais pas refaire le débat ce soir, mais toujours est-il que là, dans ces présentations qui me sont précisées, c'est plutôt rassurant et dans le bon sens. Voilà, j'en ai fini avec les questions diverses d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, de ce long conseil municipal. Le prochain aura lieu le 6 novembre et à 18h30 et pas 19h, car on fera une présentation du rapport de l'ARES. C'est biennal, c'est comme habituel, et c'est Frédéric Boudot qui viendra vous présenter le travail de l'ARES. Merci, bonne soirée. On vous apprend.